Bonjour, bonsoir, bon après-midi, frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Temps de prière agressive, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que nous passerons des moments agréables dans la présence du Seigneur, des moments d'édification, des moments de prière, des moments d'enseignement aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent à cette école de la prière, à ce moment important de prière, d'un de Dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. À la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, l'homme de Dieu, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Le pasteur répond au plus 1-331-262-49-03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre humble serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1-331-262-49-03. Recevez toutes les bénédictions de la part du Seigneur. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03 pour vous qui voulez rentrer en contact direct avec le pasteur Kalala. Encore une fois, les coordonnées téléphoniques sont le plus 1-331-262-49-03. On est là pour pratiquement une heure et demie ou deux heures dans la prière, mais également un temps dans l'exhortation. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, le berceau de l'humanité. Je salue vous qui êtes en Afrique du Sud, les frères et sœurs qui nous écrivent et nous appellent souvent depuis Cape Town. Vous êtes à Durban, vous êtes à Johannesburg, recevez nos salutations. Je bénis ceux qui nous suivent depuis Kampala en Ouganda, je ne vous ai pas oublié, recevez mes chaleureuses salutations en particulier. Quand je salue en particulier comme ça, c'est-à-dire c'est les coins où la plupart des gens nous appellent pour nous soutenir, nous encourager, également partager avec nous leurs expériences. Nous bénissons et saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon, Libreville, Port-Gentil, vous êtes en Côte d'Ivoire, Abidjan, que Dieu vous bénisse, à Bobo-Dioulasso, recevez toutes nos chaleureuses salutations. Nous bénissons ceux qui sont de l'autre côté du Douala, de l'autre côté du Cameroun, voudrais-je dire. Nous bénissons les frères qui nous suivent depuis Cotonou, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. Sans oublier les papas et les mamans qui nous suivent depuis la France, la Belgique, vous êtes en Allemagne, en Suisse, recevez nos bénédictions et salutations. Nous bénissons et saluons tous ceux qui nous suivent depuis. Merci beaucoup. Je vois aussi une maman qui vient encore de me rappeler, papa n'est pas nous oublier. Maman, je ne vous ai pas oublié, c'est juste un emploi du temps qui est surchargé ces derniers temps. Une maman qui nous salue depuis le Pays-Bas, en Hollande. Que Dieu vous bénisse. Et j'essaie, je vais me rattraper. Je vais me rattraper aujourd'hui, avant que ces jours de prière ne finissent. Je vais prier pour vous, maman, vous qui m'écrivez en ce moment depuis la Hollande. Vraiment, dans les prières, je ne vous ai pas oublié. On est ensemble, vous êtes aux Pays-Bas. Que Dieu vous bénisse, maman. Allez, nous bénissons ceux qui sont au Canada, aux États-Unis d'Amérique, à Illinois précisément. Où les frères et sœurs ne cessent de nous appeler et de nous écrire aussi. Nous vous bénissons au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Est-ce que vous y êtes? Ok, je pense que notre programme de 10 jours a commencé depuis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Depuis aujourd'hui, pour ceux qui sont encore ici avec nous aux États-Unis et au Canada, que Dieu vous bénisse. Il nous reste encore 9 jours de prières, mais également d'enseignements. Je bénis tous ceux qui ont manifesté leur présence, mais aussi qui ont participé à la première séance, qui était juste une introduction, mais qui annonce des bonnes choses, n'est-ce pas, par la suite. Que Dieu vous bénisse et je bénis tous ceux qui sont en train de partager ce live, afin de faire une large diffusion d'un de Dieu très haut, vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous continuons en temps de prière agressive. Je pense qu'il veut vous expliquer beaucoup de réalités et beaucoup de choses
et beaucoup de situations auxquelles vous êtes buté et des situations que vous traversez également, des fois sans pour autant comprendre certaines réalités. Excusez-moi, mais par la grâce du Seigneur, on va les partager avec vous pendant ce moment des prières. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Allez, je vous prie donc de partager. Formons une équipe avec vous, une équipe avec le Seigneur aussi. Et ensemble, si on pouvait partager encore davantage, je pense que le Seigneur sera glorifié. Merci beaucoup pour vos partages, merci. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime, également de commenter de temps à autre pour me rassurer que vous me suivez 5 sur 5 et que je ne sois pas en train de prêcher dans le désert. Merci à vous tous qui le faites. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur. On va dire à Dieu merci pour ce moment merveilleux. On va lui dire merci pour le souffle de vie, merci pour l'être, le mouvement, mais aussi pour la respiration. Dieu te compte parmi les vivants, c'est une grâce. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons nous recueillir dans sa présence en lui disant merci pour ça. Merci papa, mais comptez parmi les vivants. Merci pour le souffle de vie, l'être, le mouvement, la respiration. C'est un don de Dieu. On n'a rien payé pour ça, on ne mérite pas. Mais c'est par son amour et dans sa souveraineté qu'il nous octroie cela. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix pour dire à Dieu merci. Tu ne te rends pas compte, bien-aimé Seigneur, de ce que cela pouvait coûter, le souffle de vie, parce que tu respires, tu es en bonne santé. Mais ceux qui sont en train de respirer sur bonbon, ils peuvent se rendre compte de la valeur et de l'importance de ce souffle que tu as tendance à minimiser, et parce que tout simplement tu as crevé de faim par exemple, ou bien tu as manqué, n'est-ce pas, l'un de tes objectifs, tu as manqué de l'argent, tu as manqué quoi, le pain quotidien. Mais attention, ne minimise pas le souffle de vie qui est un don précieux. Excusez-moi, un don de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes deux bonnes minutes pour exprimer ta reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu à cause du souffle de vie qu'il t'octroie. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ, remercions l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, en dépit de tout ce qu'on ne puisse pas posséder dans ce monde, mais nous revenons et nous reviendrons toujours auprès de toi pour te dire merci pour le souffle de vie. La Bible dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Seigneur, nous faisons partie de ce lot-là, des personnes qui te seront toujours reconnaissantes, d'abord pour le souffle de vie. Merci Yahweh pour la bonne santé que tu octroies à ma sœur et à mon frère ici présent. Merci Seigneur notre Dieu pour cette conviction et également cette reconnaissance que tu nous as communiquée pour que de temps en temps nous revenions à toi pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de toi. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je bénis le bien-aimé qui se retrouve de l'autre côté, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, qui en ce net moment se rapproche de ton trône et de ton trône de grâce. Père, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'élévation émanant de la profondeur de nos cœurs. Avec les bien-aimés, nous te célébrons, nous te magnifions et t'adorons. Au nom de Jésus, avant ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, il est saint. On ne cessera de nous sanctifier chaque fois qu'on se rapproche de lui. Tu vas dire à Dieu, purifie encore mon cœur, purifie mon âme, purifie mon être tout entier. J'aimerais que chacun de nous élève sa voix pour dire à Dieu, Yahweh, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon être tout entier. Que tout ce qui puisse constituer obstacle à ma présente prière soit ôté. J'aimerais que chacun de nous demande la purification, demande la sanctification. Dis à Dieu de te laver, de te purifier. Il est écrit par sa parole et par la prière, nous sommes purifiés. J'aimerais que chacun de nous demande à Dieu la purification de son âme, de son être tout entier, de son âme, de son corps et de son esprit par ce moment de prière. Est-ce que tu peux lever ta voix et demander la purification? Prions tous ensemble
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, nous voici une fois de plus devant toi. Nous nous rapprochons de ton trône, te demandant ainsi la purification. Purifie nos âmes, purifie nos cœurs, purifie nos esprits. Purifie chacun de tes enfants en ce nettement. Sanctifie la conscience et le subconscient de tout un chacun. Que le sang précieux, le sang glorieux, le sang merveilleux puisse laver nos vêtements, laver notre conscience, notre subconscient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la purification. Merci pour la justification. Merci de nous nettoyer et de nous blanchir. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Bien aimé, nous allons inviter la personne du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit d'inonder ton âme, d'inonder ton esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, réveille-moi de ta puissance. Saint-Esprit, conduis-moi pendant ces moments de prière. Et que l'Esprit de Dieu ouvre tes oreilles, de sorte que tu sois capable de comprendre le langage de Dieu. Mais qu'il t'aide aussi pendant ces moments de prière, que tu fasses cette prière de tout cœur. Vraiment, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Prions, invitons notre gouverneur, notre conducteur, notre premier ministre, celui qui exécute les programmes et les plans de Dieu dans nos vies sur cette terre. On va inviter notre conseiller, notre ami fidèle, notre défenseur aussi. Invite la personne du Saint-Esprit et élève-la dans ta vie, dans ton âme également, le long de cette réunion de prière. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, nous voici une fois de plus devant toi. Nous nous rapprochons de ton trône, Seigneur. Nous rapprochons de toi pour implorer ta puissance. Sois le Dieu qui inonde nos âmes. Sois le Dieu qui nous remplit. Esprit de l'Éternel, tu as toujours été avec nous et nous te demandons de nous conduire en toute vérité pendant ce moment de prière. Nous aimerions être revêtus de ta puissance. Nous aimerions être conduits par toi. Oins-nous d'huile. Que l'huile fraîche puisse couler sur nos têtes et qu'elle déborde. Que cette huile que nous te demandons puisse réellement briser les jougs. Que cette huile puisse briser les jougs qui nous retenaient quelque part captifs. Toute forme de joug de l'ennemi soit brisée. Seigneur, que cette huile détruise et brise également toute force maléfique ainsi que toutes sortes de lourdeurs, toutes sortes de divagations de pensée, toutes sortes d'insensibilité lors de l'exhortation. Que toute forme d'aveuglement spirituel tombe de nos yeux, que nous soyons capables de voir clair, capables d'écouter, d'entendre ton langage, capables d'être orientés en tout et pour tout, au nom de Jésus. Nous prions, nous disons Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Roi des Rois, acclame l'étoile brillante du matin, le rejeton de David. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, je rappelle encore une fois de plus à toute personne connectée, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, à moins que tu ne sois pas disciple du Seigneur, mais si tu l'es, daigne partager. Rassure-toi que tu as partagé ce journal, ce live, tu l'as partagé sur ton journal. Rassure-toi de l'avoir partagé dans les groupes Facebook auxquels tu es abonné. Si tu as des groupes où tu partages des choses, tu peux également partager ce live. Et rassure-toi aussi d'envoyer le lien à quelqu'un via WhatsApp. Si tu as un groupe WhatsApp, tu peux également partager les lives sur WhatsApp. Permettre à quelqu'un d'être branché, d'être scotché. Après l'avoir fait, tu peux cliquer sur j'aime, mais aussi commenter de temps à autre pour nous faire savoir qu'effectivement, on est ensemble. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Il est merveilleux, le roi des rois, il est merveilleux, l'éternel des armées, il est merveilleux, l'étoile brillante du matin. Donc on partage dans les groupes, on partage sur WhatsApp, on partage dans tous les réseaux sociaux pour gagner une âme au Seigneur, permettre à quelqu'un de prendre part à ce moment de prière. Merci à vous aussi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Ok. Je pense que
on peut déjà commencer avec notre intervention. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, le maître des cycles, des temps et des circonstances. Merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent, que Dieu bénisse tous ceux qui invitent les leurs, que les dieux tout-puissants vous arrosent, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous bénisse abondamment. Merci à vous. Bien-aimés, nous commençons déjà avec notre service de cette nuit. Le thème s'intitule « Les détails de ton combat ». Mon frère et ma sœur, il y a beaucoup de choses qui échappent au contrôle des fils et des filles de Dieu. Il y a des personnes qui se battent, mais ne sachant pas à qui ils ont affaire, ne sachant pas non plus les enjeux du combat qu'ils sont en train d'endurer. Il y a des personnes, bien-aimés Seigneur, qui mènent leur vie et qui vivent des choses difficiles, compliquées, dépassant, n'est-ce pas, leur entendement, tout simplement parce que ils ne se rendent pas compte des enjeux de leur combat ainsi que de leurs détails. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es déjà au front. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es au front. Et tous ceux qui pensent que les gens sont combattus parce qu'ils se lancent dans les combats spirituels, je pense que ils ne comprennent pas réellement la vie du christianisme, la vie d'un chrétien. D'office, quand tu es un chrétien, tu donnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus-Christ le dit déjà. Il dit, ce monde ne va pas vous aimer. Quand on parle de ce monde, ce n'est pas le frère ou la sœur qui est à côté de toi là. Quand on parle de ce monde, d'abord on voit le prince de ce monde. Ce monde est dirigé par Satan. Il ne va pas t'aimer. Et maintenant le combat, tu vas le vivre comment? C'est ça, je parle des détails. Il va te combattre. Il ne sera pas favorable à toi dans tout ce que tu fais. Et comme il est esprit, il va venir sous l'angle spirituel. Mais également, il va passer par les voies physiques en suscitant des hommes et des femmes qui vont matérialiser ce combat dans la chair, dans ta vie. L'apôtre Paul insiste plusieurs fois, combattez les bons combats. Dans les Colossiens, dans l'Éphésiens et dans Colossiens, il le rappelle encore en disant, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais le vrai combat, il est spirituel. Contre les esprits impurs. Contre les dominations, contre les principautés. Dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs branches, plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, plusieurs domaines où les fils et les filles de Dieu sont attaqués et sont combattus. Après avoir opéré dans le monde spirituel, ils viennent maintenant physiquement chercher à matérialiser la chose. Là, c'est la vie de tout fils de Dieu, toute fille de Dieu. Parce que nous sommes tous appelés fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes dans le camp contraire de celui qui dirige dans ce monde. Sachez-le que vous serez combattus et toujours combattus. Maintenant, le plus grand problème, c'est que les combats de l'un diffèrent de ceux de l'autre. Là, je suis en train de parler aux fils et aux filles de Dieu qui sont arrivés au point où ils voient comme si Dieu les a abandonnés. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je vis des choses que les autres ne peuvent pas vivre? Seigneur, pourquoi tout le monde prie? Il n'y a que moi qui vis ça. Papa, maman, il faut savoir une chose. Nous ne pouvons pas tous avoir le même type de combat. Parce qu'on n'a pas le même éclat. On n'a pas la même étoile. On n'a pas la même vision. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs stratégiques dans le monde des esprits.
on ne pèse pas tous la même chose. Nous ne dérangeons pas tous le camp adverse la même chose. Ce sont des réalités que tu dois connaître et que tu dois comprendre en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Parlant des étoiles, parlant des missions, parlant des destinées, etc., vous allez voir que tous ceux qui étaient venus dans ce monde avec des grandes missions, quand nous lisons dans la parole de Dieu dans la Bible, vous allez voir qu'ils n'avaient pas tous le même type de combat. Et tous ceux qui avaient des grandes missions, c'était des personnes que le monde des ténèbres avait voulu éliminer aussitôt. Pour la plupart d'entre eux. Entre autres, nous voyons Moïse qui naît dans des conditions que vous connaissez tous très bien. La destinée et la mission de Moïse, elle est grande. Dieu dit, je vais délivrer mon peuple d'Israël de la servitude du pays d'Égypte, mais je me servirai de cet enfant tiré des eaux comme libérateur. Il a une grande mission. Vous connaissez dans quelles conditions il va naître et combien de risques il va subir ou endurer, mais Dieu va quand même le garder et lui garder la vie sauve. Dans la nouvelle alliance, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, je vous prie de partager, partager et partager. Quand vous me suivez, vous êtes convaincus de ce que nous parlons, que c'est la parole du Seigneur, tu réagis, tu me rassures qu'effectivement, nous sommes ensemble. Sinon, je risque de penser que tu as un problème de connexion, soit tu ne me suis pas. Et surtout qu'on est en train toujours de travailler au rythme des réclamations, des signalements et autres. Donc, vous risquez de faire croire à l'homme de Dieu qu'il y a un petit souci avec vous ou vous ne suivez pas du tout. Et ce n'est pas bien. Vous allez me déconcentrer des fois. Alors, quand vous rassurez que vous êtes là, des fois par un commentaire, par un j'aime, ça me rassure que vous me suivez. Moi, il suffit qu'une personne seulement soit là en train de réagir. Je suis plus que rassuré que le message est en train de passer. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Donc, on est là. On tient toujours et on tiendra jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église. Parce que nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Donc, mon frère et ma sœur, nous sommes de ceux-là qui vont participer à l'enlèvement de l'Église. Ça, je le crois fermement. Et j'en suis plus que rassuré. Quelqu'un me dit, papa, l'enlèvement, c'est pour quand? C'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Bien-aimé, Jésus peut venir maintenant pendant que je prêche. Parce que tous les signaux se sont déjà accomplis. Le dernier qui restait, c'était que la parole de Dieu soit prêchée juste aux extrémités de la terre. Or, avec l'Internet, là, la parole de Dieu est prêchée juste aux extrémités. Il n'y a plus rien qui nous retient. Ça, soyez-en rassurés, rien du tout. Même dans le pays où on a interdit, là, il y a quelqu'un qui va rentrer. Connexion, pap, avec qui peut passer là. On prie avec des gens ici dans le pays où la Bible n'est pas vraiment acceptée facilement. On a prié avec eux, surtout notre premier compte, la Facebook. On prie avec des gens là-bas. Dans le pays, je ne veux pas citer le nom, où la Bible pratiquement est interdite. On priait avec eux et nous appelait de temps à autre. Donc, mon frère et ma soeur, vous comprenez que la guerre est comme ça. C'est niveau par niveau. Que Dieu te bénisse, toi qui réagis. Que Dieu te bénisse richement. On voit Jésus-Christ naître à son époque. Avec la naissance du Seigneur Jésus, nous voyons encore la guerre. Comment est-ce que Hérode, une fois informé qu'il y avait un enfant qui était différent des autres, les mages, ce sont des satanistes, hein, des occultistes, ils ont lu l'étoile de Jésus. Ils ont compris qu'il avait une étoile différente de toutes les autres étoiles des enfants qui venaient de naître. Ils ont convoqué une réunion avec le roi. Ils ont commencé à partager, à parler de l'étoile. Donc, comme pour vous dire, ça vient confirmer ce que je vous disais tantôt, que les étoiles diffèrent les unes des autres, les missions et les destinées diffèrent les unes des autres. Donc, tu ne dois pas passer ton temps à comparer ta vie, comparer tes combats avec ceux de tes frères, avec ceux de tes sœurs, même si vous êtes né d'une seule famille, même si vous êtes né un seul jour, même si vous habitez le même pays, même si vous êtes marié le même jour, même si vous avez
commencé à travailler ensemble la même période. Donc, les combats que toi tu vas endurer, c'est tout à fait normal que ça puisse différer, que ça soit différent de ceux de ton ami. Les réalités que tu vas vivre ne peuvent qu'être différentes de celles de ta sœur, de ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons des détails de ton combat. Voilà que l'enfant qui venait de naître, il y en avait plusieurs qui venaient de naître pendant ce temps-là, le même jour que Jésus-Christ. Mais il y a un seul dont la naissance fait parler d'elle. Un seul, on est en train de parler de lui dans le palais royal. Un seul attire l'attention des mages. Donc le monde des esprits immobilisé. Et puis dans le physique, il y a une réunion qui se tient. J'aimerais dire à quelqu'un que ton étoile brille différemment. Il y a des étoiles qui dérangent dans des familles. Il y a des étoiles de lumière qui dérangent dans des quartiers. Il y a des présences qui troublent les gens dans des compagnies où vous allez travailler. Des présences troublent et dérangent dans certaines villes. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Ton étoile ne dérange pas la même chose que celle de ton frère ou de ton ami. On ne parle pas de toi la même chose comme on parle de l'enfant qui vient de naître à Bethléem. La manière dont on parle de nos vies dans le monde ou dans les camps de nos adversaires, dans le camp de l'ennemi, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les stratégies utilisé par l'ennemi pour éteindre ta lumière, éteindre ton étoile, éteindre ta destinée, ne seront pas les mêmes utilisés pour les autres. Tu as tellement de la valeur, tu pèses tellement dans le monde des esprits qu'ils vont utiliser beaucoup de voies et moyens pour t'étouffer et t'enterrer, pour t'effacer. Ils vont utiliser beaucoup de stratégies et beaucoup de moyens. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui est le tout dernier à décider sur ton sort. Parce qu'il a encore une mission à accomplir avec toi. Il a un but pour lequel il t'a envoyé dans ce monde. Et il ne te retirera pas sans que tu ne l'aies accompli. Ça, c'est la première des bonnes nouvelles que j'aimerais t'apporter. Là, je parle aux fils et aux filles de Dieu. Parce qu'on a beaucoup de ramassis aussi. Des personnes, on va parler de tous ces gens-là. Que vous pensez être des enfants de Dieu, alors qu'en réalité, c'est une petite sirène qui est venue s'infiltrer comme ramassis parmi les fils et les filles de Dieu. Il y a des gens avec qui vous priez dans des églises. Vous pensez que c'est une sœur en Christ. Vous pensez que c'est un frère en Christ. Or, c'est un petit sorcier. Un petit nganga, une petite sirène des eaux envoyée, mais qui est toujours là, en mission. Malheureusement en mission, comme infiltrée au milieu des fils et des filles de Dieu. Et à travers ce moment de prière et dans les détails de ton combat, tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi je te prie encore de me donner quelques partages. Bien aimé, quand on dit partager, ne pensez pas que je parle à d'autres. Je parle à vous, vous qui suivez les enseignements, vous qui participez à ces séances de prière et qui êtes édifiés. De même que ça vous édifie, de même également quelqu'un d'autre peut être édifié. C'est pourquoi je vous prie de songer aussi aux autres et de partager ce moment des prières. Multipliez des partages, multipliez. L'enfant Jésus attaqué. Parce qu'il doit sauver l'humanité entière. Regardez combien de stratégies et comment le monde des ténèbres a pesé de son poids pour éliminer l'enfant dès sa jeunesse. Moïse envoyé avec une grande mission. Regardez combien de fois et de quelle sorte des fureurs, de nervosité, de méchanceté, de brutalité, on a tué des enfants à l'époque de Moïse. La Bible dit que des femmes ont pleuré sérieusement parce qu'on devait éliminer un fils, un libérateur d'Israël. À l'époque de Jésus-Christ, la même chose. Combien de femmes n'ont-elles pas pleuré
Parce qu'il était question qu'on puisse stopper la destinée d'un fils de Dieu dont la lumière brillait différemment. Et c'était une étoile appelée à sauver les autres. Le monde des ténèbres, c'est que dans ta famille, c'est les ténèbres qui règnent. C'est une famille consacrée à l'échec. Une famille où les destinées doivent, ce sont des gens, des jeunes gens ratés. Des personnes qui appelées à souffrir toute leur vie. De personnes appelées à vivre dans le calvaire. Mais ils savent aussi que Dieu, dans son plan, s'est décidé de se servir de toi pour apporter un vent nouveau, pour apporter une lumière et pour sortir les gens du chaos. Ils le savent. Alors, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. C'est ainsi que dans les coulisses, on va te réclamer. C'est ainsi que la manière dont ta vie est réclamée dans le camp adverse diffère des autres bébés naturels. S'ils savent que ta vie va réussir par le mariage, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas vous laisser la tâche facile dans ce domaine-là. Soit ils vont vous combattre en amont, vous permettant pas de vous marier. C'est ce que les autres vivent par le célibat endurci. Ajezako Poussana, Posakuba les Aroya, mais soit on te prive les moyens financiers et matériels. L'âge est en train d'avancer. Tu as atteint la maturité. Soit on te prive de mari, le fiancé ne vient pas. Tu as des moyens, tu as de l'argent, mais l'homme de la vie ne vient pas. La femme de ta vie ne se présente pas. Tu commences une relation amoureuse. Ça finit toujours très mal. C'est-à-dire que le diable veut tout tuer. Tout ce qui est en train de naître à côté de toi doit être tué. Nous parlons des détails de nos combats. Nous comprenons l'évangile. Message de prédication. C'est pourquoi quand vous suivez les enseignements, il faut suivre avec un esprit de discernement. Comprendre, est-ce un message qui me concerne? Est-ce que ce message concerne mon cas ou bien c'est un message adressé à quelqu'un d'autre? Pendant qu'on prie avec toi, pendant qu'on te préchauffe sur quelqu'un qui passe avec une expression, quelqu'un qui a la rhétorique, voudrais-je dire, qui parle très bien, qui a un discours séduisant, il va te bombarder de versets. Ah, nous sommes en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne te dise autre chose. Tu es une fille de Dieu. Tu ne peux pas être condamné. Oui, tu ne peux pas être condamné, mais tu peux être réclamé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être réclamé, bien qu'étant en Christ. Nous, comme on a monté, on a une réclamation à boyer. Après avoir suivi un tel prédicateur, tu ne sais plus faire des prières, des combats. Tu te dis, ah, c'est fini. C'est fini. Parce que la cause rabisso, moi je suis en Christ. Oui, tu es en Christ. Mais quand on a beaucoup de temps, on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Je vous ai dit que les enfants, ils étaient nombreux à naître le même jour que Jésus. Mais un seul, on parle de lui quelque part dans le palais royal. Un seul fait l'objet de toute une réunion entre le roi et les mages qui sont des occultistes. On l'appelle Jésus-Christ. Vu la mission qu'il avait. On ne va pas prier. Je ne vois pas les gens prier dans la Bible là-bas. Combattre pour le mariage. Oui, on n'a pas vu ça, non? On n'a pas vu. C'est bien. C'est bien. Mais laisse-moi te dire, comparaison n'est pas raison. Le mariage peut être une facilité. Pour d'autres, il n'a pas eu à prier pour ça. Mais ça peut être un combat, un interdit pour certains. La personne qui vit des réclamations et qui vit des limitations, des lois établies par rapport au mariage, ne pense pas qu'en confessant un simple passage biblique, « Je suis plus condamné, je suis en Christ et c'est fini », tu deviens libéré. Tu dois effectuer le combat.
Ne confondons pas les choses. Jésus-Christ était un fils de Dieu très haut. Le seul, unique, véritable fils de Dieu. Envoyé par lui-même pour le salut de l'humanité. Mais pendant qu'il naquit, vu le combat, on voit Dieu barrer la route, combattre pour lui. Il barre la route aux mages. Quand les mages viennent, il va leur interdire de repartir vers Hérode. C'est que Dieu est en train de veiller. Dieu est en action. Il exerce un combat. Il barre la route. Il impose aux mages de ne plus repartir vers Hérode. Et il exige à ses parents, aux parents de Jésus, d'afficher certains comportements et d'effectuer certains déplacements. Il pouvait dire que c'est mon fils, je le garde, je le protège, il reste là. Mais on voit Dieu exiger à Joseph, lui disant, le combat est grand. Prends l'enfant, déplace-toi. Allez-y en Égypte et restez là-bas pendant longtemps parce qu'il y a un combat. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, depuis sa naissance, a vécu le combat. Et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de combat pour les enfants de Dieu. Il faut bien lire ta Bible, papa. L'apôtre Paul insiste, on n'a pas à lutter. Quand on parle de lutter, veut dire quoi? Bitumbat. Connais-toi d'abord toi-même. Quelle est ta mission? Quelle est ta position stratégique dans le monde des esprits? Quelle est ta position stratégique dans ta famille? Quelle est la position que tu occupes dans la ville où tu habites? Quel type de position tu occupes dans ta génération? Qu'as-tu comme mission et comme mandat? Quand tu connais ta valeur, tu connais ta mission, tu connais tes potentialités, tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé, tu peux maintenant commencer à réaliser quel type de combat tu peux croiser sur ton chemin. Et c'est alors que tu pourras maintenant vivre en conséquence. Malheureusement, il y a des personnes qui sont porteuses de grandes visions, qui sont détentrices de grandes étoiles brillantes et de grandes destinées, qui ont des choses à faire avec Dieu. Mais malheureusement, leur poids spirituel est léger. Et ils ne se rendent pas compte de la hauteur de leur combat. Voilà pourquoi nous parlons des détails de ton combat. Connais-toi toi-même, comme un philosophe l'a dit. Mon peuple périt, faute de connaissance. Dieu connaissant la valeur de l'enfant Jésus, il se déploie pour le sécuriser et il est en train de coacher à ses parents d'afficher certains comportements. Je parle à quelqu'un ce matin, tu as des attitudes à afficher, tu as des stratégies à faire, tu as des comportements à afficher, tu as un mode de vie qui doit être différent des autres. Ce n'était pas tous les enfants qui naquirent à l'époque de Jésus dont les parents avaient payé les billets pour aller en Égypte, mais l'enfant Jésus, Dieu exige à ses parents de se déplacer et d'aller en exil, parce que le combat était là. J'aimerais dire à quelqu'un, prends conscience de ce que tu es, prends conscience de ton étoile, de l'éclat de ton étoile, prends conscience de la mission que Dieu t'a confiée, et sois attentif aux instructions de Dieu par rapport au combat qui te concerne. Je dis à quelqu'un, ton combat diffère du combat de ta sœur, ton combat diffère du combat de ton ami, ton combat diffère du combat de ton frère à l'église. Vous n'êtes pas appelé à vivre la même chose. Ne comment pas me soucier de son moussala facilement, mais il y a eu les arabes tout mamakas. Pas me soucier de balanaye facilement, mais il y a eu fobunda mamakas. Ça dépend de la position stratégique que chacun serait en train d'afficher ou d'occuper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Dieu que je sers vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. L'enfant Jésus-Christ obligé, contraint de quitter les territoires parce qu'il y avait un combat. Jésus-Christ était fils de Dieu ou bien il était fils du diable? C'est des grandes questions qu'on doit se poser. Avant d'avancer, j'aimerais que chaque enfant de Dieu élève sa voix pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à discerner mon identité. Aide-moi à reconnaître qui je suis. Aide-moi à repérer ma position stratégique. Aide-moi à reconnaître ma position spirituelle. Que je sois capable de m'identifier et de me reconnaître. J'occupe quel type de position dans le spirituel?
Quel type de pochon? Quelle est ma pochon stratégique dans le monde des esprits? Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit commencer par là. Je te demande maintenant de dire à Dieu, Père, aide-moi à réaliser qui je suis et combien je pèse dans le monde des esprits. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide. Qu'on sorte d'abord de cette sorte de distraction, de légèreté. Soyez bénis, papa, soyez bénis, maman. Nous sommes aujourd'hui en train de prier en comprenant les détails de nos combats et savoir comment se comporter. Prions, demandons à Dieu, Seigneur, que les écailles tombent. Si je suis de la race de Moïse, je suis de la race de Jésus, je suis de la race de David, je suis de la race des grands héros, Seigneur notre Dieu, par rapport à ma lignée familiale, aide-moi à me rendre compte de mon identité et de la stratégie, la position stratégique que j'occupe dans le monde des esprits. Élève ta voix, prie et demande à Dieu cela, qu'il t'aide à discerner et à comprendre qui tu es réellement dans le monde des esprits. Quels sont les enjeux de ton combat et quelle position stratégique occupes-tu? Je te prie d'élever ta voix et de commencer à prier pour cela d'abord, avant que je n'avance. Éternel Dieu des armes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Nous voici devant ta face. Nous te demandons une chose, Seigneur, que tu nous aides à réaliser ce qui nous sommes dans les spirituels. Aide mon frère, aide ma sœur à se rendre compte de qui il est en réalité. Aide le bien-aimé à se rendre compte de qui il est dans le spirituel et dans le vécu quotidien, dans sa famille, dans son quartier, dans le secteur où il évolue. Seigneur, qu'est-ce qu'il représente comme danger dans le monde des esprits? Je te confie ma sœur et mon frère, je te confie les bien-aimés qui se rapprochent de ton trône pour prier et rechercher ta face. Je te prie, le Dieu de mon salut, de nous ouvrir les yeux spirituels et de nous faire tomber les voiles d'aveuglement, de manque de discernement et de manque de prise de conscience. Aide-nous, Yahweh, à rentrer dans les détails de nos combats et savoir comment nous comporter. Le Dieu des Paul soit notre Dieu. Toi qui as permis à ces grands esprits, à ces grands hommes, de discerner, de comprendre beaucoup de choses, ainsi que beaucoup de réalités dans le spirituel. Aide mon frère et ma sœur ici présents. Aide-moi aussi à les discerner et à en prendre conscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame l'étoile brillante du matin. Mon frère et ma sœur, écoutez-moi très bien. Un homme de Dieu était en train de prêcher et il prêchait sur les nets. Son message était tellement en train de bouleverser les programmes de l'ennemi. Il ouvrait tellement les oreilles et les yeux spirituels des gens dans le monde que son nom a été récupéré et présenté sur des autels maléfiques. Le monde des ténèbres, depuis la maison centrale, ils ont compris que c'est un dérangeur, un semeur de troubles dans leur camp. C'est comme notre frère à la personne de Samson. Quand les Philistins ont compris que c'est un semeur de troubles, c'est quelqu'un qui vient déranger leur règne et leur système, ils sont habitués à faire agenouiller le peuple de Dieu. Ils sont habitués à prendre de le dessus sur Israël. Et à leurs yeux, Israël, c'était comme des petits esclaves. Mais voilà qu'il y a parmi les membres d'Israël quelqu'un qui vient avec un esprit pour leur ravir leur proie, les empêchant de continuer à exercer une autorité sur ce peuple. C'est comme si quelqu'un qui venait leur ravir leur beefsteak. Bien-aimés, ils se sont mobilisés.
Nde mobilisation bazan nango likolo na yo. C'est le combat que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Ils sont habitués à gâcher les vies. Ils sont habitués à interdire aux gens de se marier, d'avoir des enfants, d'évoluer, de mener une vie paisible, digne d'un enfant de Dieu. Et tout le monde respecte cela. Les gens ne veulent pas étudier à l'école, aller à l'école chez vous. Les gens sont dans l'alcoolisme, la prostitution, la débauche. Les conditions sociales précaires. Tout le monde a accepté ce système dans votre famille. Mais il n'y a que toi qui... Chez toi, ça ne passe pas. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Dieu a déversé en toi le salut de ta famille. C'est par toi que les changements doivent venir. Et ce n'est pas du forcing. Dieu t'a envoyé dans ce monde, dans cette mission-là. C'est ainsi que le comportement de Samson différait de ceux de ses frères. Les parents avaient accepté qu'ils devaient être des esclaves des Philistins. Mais quand Samson naquit, lui vient avec un autre esprit. Il a un esprit révolutionnaire. Il vient avec l'esprit de changer les choses. Et la Bible dit que même ses parents lui ont dit, Samson, biso awa, tundiman abiso batuana, ba nyoko la rabiso. Ba sal rabiso ba maniko sala. Tout ça ba wumbu et pa na bango. Tu es dit que ba linga abiso te, mais on n'a pas de mots à dire. Donc yope moutoye, rentre dans le même système. Comporte-toi comme nous. Mais vu la mission de Samson, vu qu'il avait un esprit différent et une mission différente de celle de ses parents, il ne pouvait pas se comporter comme une pluie et une poule mouillée. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, renfermer sa queue comme un chien qui a peur. Un chien qu'on pourchasse avec des pierres, tu vois, il fait rentrer sa petite queue. C'est des symptômes prouvant la peur. Vu la grandeur de sa mission, il avait un comportement différent. Ce sont là les symptômes par lesquels tu peux reconnaître que tu as appelé à mener une vie différente. Tu as une mission différente. Avant même que tu commences à prier, tu avais une certaine révolte contre la pauvreté dans ta famille, contre la médiocrité, contre les conditions maléfiques dans lesquelles vous vivez. Ça t'énervait. Tu avais de la haine, de la révolte par rapport à cela. Le comportement, la vie bizarre de tes sœurs et de tes frères, même quand tu ne priais pas encore, tu étais mécontent ou mécontente de voir la légèreté sexuelle que reflétait ta famille, les membres de ta famille. Tu avais mal dans ton cœur, voyant que chez vous seulement on venait déposer des enfants. Il y a du bruit chez vous. Sainte, il y a Mireille. Sainte, il y a Janine. Sainte, il y a Mado. C'est des bruits comme ça qu'on entendait chez vous. Tandis que chez les autres, c'était des fêtes, des mariages. C'était des diplômes d'État, baccalauréat, etc. Mais chez vous, il n'y avait que des bruits, des désordres, des bruits qui vous mouillaient d'humiliation et de honte. Ça te dérangeait déjà. Voilà que tu m'as dit, non, mon sang, Milad. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton combat doit être différent des autres. Tes réalités spirituelles doivent différer de celles des autres. Parce que vous êtes différents d'eux. Vous êtes différentes d'elles. Ton esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit qui dérange. Ta vision et tes convictions troublent. Est-ce qu'on peut avancer? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Vous me donnez un amen plus fort. Donne-lui Dieu que je sers, vous bénir et qu'il vous bénisse richement. Maman, papa, ne fais pas de faux comptes. Personne ne t'avait chassé d'ici. Moi, je me suis dit que quand tu as le coup, tu as le coup de la live. Quand tu as le coup, tu as le coup de la live.
tuakimiso awa zate kota na yo yo kama loba na nzambe me bongo lande mutema tika bizali ya mabe ma papa yebi ndenge nini robata mabatu mabata manzambe te kota na yo na komo na yo normal prier n'est pas honte de prier. Ma soeur et mon frère, écoutez. Samson est ciblé. C'est quelqu'un qui trouble notre système. Tomesana tolia kanabiso badwawa. Tolia kamisuni chaque année. Tomesana tobeb saba classe abatu. Nous sommes habitués à détruire les vies des gens ici. À gâcher le foyer, à détruire les mariages, à détruire les chances des gens, à empêcher les voyages, à empêcher le succès, à empêcher que les gens puissent acheter des parcelles, à empêcher la vie de gloire, la vie de d'abondance. Nous décidions comme nous voulions et les gens étaient dans le noir. Qui est celui-ci qui vient dans l'esprit de révolte pour perturber notre système d'action? On l'appelle Samson. C'est alors, mes amis, que depuis la maison mère, ils ont maintenant commencé à monter des stratégies pour l'empêcher d'accomplir sa vision. Papa, maman, les combats que tu es en train d'endurer, laisse-moi te rassurer, c'est pour t'empêcher d'exercer. Là, je vois déjà, je parle à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Bon, l'embou est comme mon côté là, yo. Papa. C'est comme si Dieu ne me soutient pas, c'est comme si Dieu donnait l'avantage aux méchants. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. À travers cette exhortation et ce service de prière, du détail de ton combat, Dieu m'envoie pour t'éclairer et te faire tomber les écailles aux yeux. Si on pouvait t'ouvrir les yeux spirituels, te montrer combien Dieu défend ta cause. Aïe, aïe, aïe. Osant ma loi quoi adorer. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour voir combien Dieu défendait ta cause. Mais très souvent, le diable multiplie des stratégies pour nous décourager, nous frustrer, nous faire entrer dans le monde de on appelle ça comment? Du pessimisme. Comment on aura négativité. Il nous fait oublier des exploits et les efforts de Dieu. Et nous fait oublier des fois l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce message est envoyé à une maman. Ce message est adressé à un papa. Ici là, je ne parle pas au ramassis. Je suis en train d'adresser ce message au véritable fils de Dieu, aux véritables filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse, vous qui manifestez votre présence. Donnez-moi trois fois amen, amen et amen. Écrivez-moi cela trois fois. Amen, amen, amen. Et rassurez-moi que ça passe, que le message vous affecte. Et recevez la grâce, recevez la bénédiction au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, vous n'êtes pas tous les mêmes. Dans la Bible, nous voyons le prophète Élie. Élie, Dieu l'a accompagné. Il a expérimenté des exploits avec Dieu. La pluie a cessé de tomber par sa prière. Et après, il a fait encore une prière. Il y a eu encore de nouveau la pluie. Et après qu'il ait fait pleuvoir encore la pluie sur Israël, après 3 ans de sécheresse, on a vu Élie faire des prières, Dieu l'exauce, il lui répond par le feu. C'est-à-dire qu'il a démontré la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a démontré la puissance de Dieu. À travers Élie, on a tué les prophètes de Baal. 450 prophètes sont tombés. Parce qu'Élie a invoqué Dieu et Dieu l'a défendu devant tous. Dieu l'a honoré. Il lui a répondu par le feu. Et on a tué les prophètes de Baal.
dans le royaume où régnait Jézabel. Est-ce que vous suivez ça? Mais la Bible me dit, le diable va susciter en Jézabel une force dans la déclaration qui va faire la terreur dans les camps de son serviteur Élie. Je vous ai parlé de l'attaque dans le spirituel, mais aussi de l'attaque dans le physique. Une simple phrase, une simple menace de la part de Jézabel va faire oublier Élie toute la protection divine. Ça va faire oublier à Élie tous les exploits, la pluie qu'il a pu arrêter par sa prière. Et ça va lui faire oublier le feu qui a consumé l'autel des Baal, plutôt l'autel au Mont Carmel. Bien-aimé, ça va lui faire oublier le feu qui a consumé les 50 soldats qui sont morts parce qu'on les avait envoyés en mission pour lui descendre de la montagne. Donnez-moi un amen très bien. C'est là où j'aimerais que tu commences à comprendre certaines choses, comment ça fonctionne dans les camps de l'ennemi. Là, je parle à quelqu'un qui a expérimenté les merveilles avec Dieu pendant des années. Tu as un témoignage. Tu te souviens souvent de ce que Dieu a fait dans ta vie, des grandes réalisations que tu as faites avec l'Éternel. Tu étais malade, Dieu t'a visité. Tu avais des problèmes, il t'a honoré. Tu étais en difficulté, même les voyages. Là où tu es là, tu es en Europe, en Asie, en Amérique, je sais où. Le voyage là, c'est de manière miraculeuse que tu l'as eu. Le travail que tu as aujourd'hui, même le mariage dans lequel tu te retrouves, c'est de manière miraculeuse. Dieu il t'a arrosé, il t'a visité. Tu es témoin de la main de Dieu. Mais regardez, le diable peut envoyer des hommes et des femmes, pas dans le rêve, mais dans le physique, avec un discours dissuasif. Phrase moko ka ke dimina monoko amoto. Mais ça a onction entre guillemets, c'est-à-dire ça a puissance moko ya. Il y a terreur. Une puissance de découragement. Juste par une simple phrase. C'est pourquoi je te demande de faire attention. Rentre dans les détails de ton combat. Sache qui le diable a utilisé ou est en train d'utiliser à côté de toi. Qui l'ennemi va envoyer ou est en train d'envoyer sur ton chemin, sur ta route, avec une puissance de découragement, de frustration et de remise en cause de l'amour de Dieu dans ta vie, comme Jézabel. Élie va gagner l'hier. Waouh! Élie a le véritable Dieu. Allez, les prophètes de Baal nous ont menti. Tobo Mabango. Après qu'il ait fait la démonstration du feu, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Élie a eu une gloire, a eu une célébrité. Quand il redescend, c'est Jézabel qui arrive à la maison, lui dit que tous tes prophètes ont été tués hier parce qu'ils étaient incapables de démontrer qu'ils avaient le véritable Dieu. Parce qu'ils étaient incapables de faire descendre le feu et de consumer l'Holocauste. Le peuple s'est jeté dessus et Élie et le peuple, ils ont tué tous les prophètes de Baal. Jézabel se fâche. Yokamaloba Jézabel. Pour qui Élie se prend-il dans cet état, dans cette ville, dans ce royaume? Demain avant 12 heures, si je ne donne sa tête aux oiseaux du ciel, si sa tête n'est pas par terre et son sang ne coule pas, Lobanganaza Jézabel Tenamboko. Une simple phrase, mes amis, va troubler la foi d'Élie. Une simple déclaration va pousser un grand homme comme Élie dans le monde de dissuasion. Papa, maman, yaya, ezana batoyo, baza zinga zinga na yo. Yo kan sabanka batu normal, mais ce sont des instruments entre les mains du diable, envoyé pour te faire rentrer dans ce monde des dissuasions. Pour te pousser à remettre en cause l'amour de Dieu sur toi, ainsi que sa capacité de te protéger et de te faire vivre ses promesses dans ta vie. Ndekumona mtumoro yelo kaba phrase moroya eh yaya. Yango prière ngo peso ezo simbate simbata kisi. Et l'eau qu'on ignore s'il a raté.
ce pomme qui n'a pas de prière et simité, qui n'a pas de marabout. Je te dis la vérité, mon frère. C'est ainsi que d'autres viendront avec des discours selon lesquels, depuis que tu as commencé à prier, tu ne vois pas que tu es en train de faner. Beauté n'y a ce qu'il y a. Nebela ba jeûne, nebela ba prière. Je parle à un Élie, je parle à une maman Élie. Les propos de Jézabel. Et les Jézabel bien-aimés, le diable les envoie même dans des églises. Pasteur, écoutez-moi, il y a des femmes Jézabel, il y a des hommes Jézabel, dans des églises, au bazar, au Kimi Sabandimi. Elle ne part pas, elle est toujours là, mais sa mission, c'est quand il y a une nouvelle personne qui arrive, à qui on a qui pire naïe, à qui misaraya, c'est pas maloba gilette, maloba découragement. Et toi aussi qu'on est en train de faire chasser, d'expulser loin du serviteur de Dieu, loin de l'église, loin de la bergerie. Tu ne te poses pas la question. Mon place à mon souveza ma bé. Ici n'y a que les impudiques. Le pasteur est un escroc. C'est un aventurier. Mais pourquoi toi tu es toujours là? Tu ne vas pas comme les autres. Fumola, maïele nayo, peut comprendre. Des personnes dans le monde des ténèbres se servent pour étouffer les étoiles, pour éteindre la vie des prières. Même ici dans nos émissions, elles viennent. Mission naïe, éteindre les feux qui s'allument, chercher à frustrer la foi des autres, remettre la foi des autres en cause. À côté d'un monde à doute, à côté d'un monde à pessimisme, comprends les enjeux de ton combat et rentre dans les détails. Que Dieu nous aide à les repérer. Que Dieu nous aide à les discerner. Mon peuple périt, faute de connaissances. Nana besoin mutumora tombo la voix naïe. Allo bananzambe. Voyons soya Jézabel. Pembeni nanga. Ezala parmi les amis. Que ce soit parmi les connaissances. Que ce soit parmi les frères au travail, les collègues. Que ce soit l'université. Que tu m'aides, Seigneur, à discerner le langage de Jézabel. Les propos de frustration, d'intimidation, et qui puissent me pousser à rentrer dans le pessimisme et dans le doute. Ndekonanga, phrase mokokaka. Ere kominamato ya prophète Élie. Élie a bossani b'exploit salana nzambe. Élie a oublié la protection des dieux. Il a oublié les jours passés dans les torrents de Kérite. Il a oublié le dieu de la veuve de Sarepta. Il a oublié le dieu qui lui a répondu par le feu deux fois. Un feu capable de consumer les soldats, les policiers envoyés pour lui demander de descendre de la montagne. Et le feu qui a fait tuer les prophètes de Baal au mont Carmel. Nyonsoane, Kotima, Imbalamoko. Voir. Keba Ezanabatumoko Satanatindi Pembeninayo. Avec des discours de dissuasion. Avec des comportements pour te remettre en cause. Bako tso doute que on dirait dans la nzambe. On dirait que Dieu n'écoute pas mes prières. On dirait que je suis sur une mauvaise terre. On dirait que je suis en train de prier dans le faux. On dirait que je suis sur une mauvaise adresse. Envoyé du monde des ténèbres. En mission de Jézabel. En mission pour remettre le doute. Et remettre en cause la confiance que tu avais vis-à-vis de Dieu. Tu t'attaches à qui et tu attends quel type de discours? Que toute phrase, toute parole, tout geste et comportement d'un homme ou d'une femme à côté de toi qui ne te rapproche pas de Dieu, mais qui te pousse à remettre ta foi en cause. Au bandako douter la puissance en Zambe, au bandako douter la capacité, il y a protection, il y a bénédiction, il y a miracle, il y a sécurité en Zambe et les colonnes. Bien-aimé, discerne la personne et retire-toi d'elle. La Bible dit le Élie qui avait, à qui Dieu a répondu par le feu hier, le lendemain, Batmamounikara Élie Mbangu.
pendant que la foule venait, c'était le temps où il devait récupérer le royaume. Il devait récupérer et prendre territoire, possession du territoire. Mais Élie est en train de fuir. Élie aux qui m'anime. Consulter. Ah, c'est Élie qui a le véritable Dieu. Yemoko Mutango. Mbangu. Azokima. Aokima Nini. Juste une seule phrase. Remplie ou teintée de toutes sortes de venin du serpent Jézabel. Ezala batou sous ko permettra le sous teba pesa ko ba conseil. Ezala batou sous ko permettra le sous tende ronanga ba lo bela ko ba maloba. N'accepte pas la présence de certaines personnes à côté de toi. Ils vont te voler la petite foi que tu avais. Or Jésus-Christ dit ceci: si nous, ses fils, on a la foi petite seulement, comme le grain de sénévé, on peut faire des grandes réalisations. Aujourd'hui, tu fais du surplace. Pourquoi? Tu as laissé tes oreilles écouter ce genre de paroles, des propos des personnes de la race de Jézabel. Bani ozo tambulana bango, bato malobandi, wana malobambili. Depuis un certain tel un discours pessimiste, découragement sur découragement. Azola soukaraba défaut. Eh, osambela rawap, eh, pasteur, on a kouto azam. Eh, osambela rawap, on a kouto azam magicien. Eh, kolanda foule, on a te foule là-bas, milo comme un bébé, le coco. Eh, kolanda te, on a kouna, eh, azam, un kobo. Bien aimé Seigneur, quel type de discours tu entends? Et pendant ces temps, beaucoup d'enfants de Dieu commencent à perdre leur foi à cause de Jézabel. Bamalobama beza koyoka tellement trop. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous avais dit, tous ceux qui ont des noms, ceux qui font des grandes réalisations avec Dieu, que ce soit sur les nets, que ce soit dans des églises locales, tous ceux qui font des grandes réalisations, ce babambioza mouta franc-maçonnerie, babambioza magicien. Soit bambioza magicien, bambiolor moussous. Soit escroc, soit impudique. Et la foi de beaucoup est en train de rentrer, de faire naufrage. Ils opèrent dans la grande dimension, ils opèrent aussi en détail, en vous envoyant des amis, des consoeurs, des confrères. Dans des maisons aujourd'hui, les enfants de Dieu, Masolom Soussou, il y a édification et Zalaratin. Quand Masolé a dissuasion, salir les hommes de Dieu, parler en mal d'eux. Il y a l'Esprit de Dieu qui me donne la maîtrise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de payer les pots cassés. À un certain moment, je vous parlais que le châtiment de Dieu, c'est tout le monde à Ram Ramsous, oh Mama Kinga Nazaro Salaraboy, eh Batbazaro Koufaraboy, Mama Kinga Nazaro Salaraboy, Ndoronara des fois Mama Batoutin. À un certain moment, bel mes seigneurs, et Komikaka, et l'Orognon surtout Kaka, Église, tu ne peux pas faire d'autres enseignements, il faut seulement ternir l'image des pasteurs. Pasteur Ekobo. Pasteur associé, pasteur aventurier, pasteur impudique, pasteur ceci. Mais Seigneur, c'est bien, c'est ton métier, tu dois communiquer le message. Mais attention, attention, attention. Quand le diable commence à se servir de toi, Dieu peut te résister aussi. Tournez film, tournez pe film, édifier Batou. Tu ne peux pas tourner un film qui puisse édifier les gens. Que tourner peut filmer boyer que quelqu'un était en difficulté à qui parle kinza minzamba kangoli, ça peut également édifier. Dans tous tes films et dans toutes tes pièces de théâtre, c'est seulement les pasteurs, sont seulement des escrocs, des sorciers, des impudiques, des adultères. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui édifient aussi? Ah, faut faire très attention. Maman, dans ta maison, tu parles de Dieu comment? Tu parles des choses de Dieu dans quel esprit, dans quel sens? Depuis un certain temps, tu n'as plus le temps de prier. Tu ne te concentres plus dans la présence du Seigneur. Il y a un marqué dans la présence, mais tu n'es plus concentré dans tes prières. À cause des choses que tu as tellement entendues, tu n'as plus confiance ni en Dieu, ni en ses serviteurs. Voilà pourquoi tu tournes à rond.
Hier, tu étais fort, tu étais forte, mais aujourd'hui, tu fuis comme Élu. Il y a ceux qui m'embarquent à cause de ma loba kakayoki. Baby, si tu es un loba 12 heures, tu es là, sinon tu es au lal. Voilà un grand prophète qui a fait des exploits avec le Seigneur hier, en train de courir jusqu'à se fatiguer. La Bible dit il se reposa, il fit la demande. Il dit à Dieu, Seigneur, prends-moi seulement. Ça, c'est la prière des lâches. Nzambe bomanga kak, mukilango komi pas mingi, nakufa kak. Un grand prophète comme Élie, mais regardez là où il en est arrivé. Si Élie peut en arriver là, a fortiori toi, a fortiori moi. S'il n'avait pas écouté cette menace, il n'a jamais a prononcé ma prière en demain. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu et non pas de Jézabel. Banda ko saka. Kaka neozo yo kanga boy. Banda ko kanga porte na molimo pe na nzoto. À toute femme, tout homme, tout ami, tout celui dont le diable se sert pour frustrer ta foi, pour te pousser à faire naufrage par rapport à ta vie chrétienne. La Bible dit, si ton œil devient une occasion de chute pour toi, picola lissouana boaka mopanzi. Il est grand temps que tu prennes des décisions importantes dans ta vie. De te séparer de certaines personnes qui ne t'apportent pas un plus dans ta foi. Comprends que c'est un agent du diable et c'est quelqu'un qu'on a envoyé comme pion depuis le monde des ténèbres pour déstabiliser ta foi et te conduire à la ruine. Oh pasteur, alobakite, sosola. Nani alobara nini pembeni na yo per communiquer ko nini. Tu vas faire cette prière avec moi. Je ferme mes oreilles. Je n'entendrai plus les déclarations. Je n'écouterai plus les propos et les menaces de Jézabel. Peu importe la voie par laquelle ça m'arrive. Ce bande o yelo nzela ba théâtre, kanga ba théâtre musuko landa fate. Ça n'affecte pas ma foi. Ça n'affecte pas ma foi dans Longoli. Tout ce que l'ennemi peut se servir pour te faire entrer. Mais je vous ai montré un exemple simple du prophète Élie. Hier, il a demandé le feu de tomber du ciel. Dieu l'a exaucé. Il a remporté la victoire, on l'a célébré. Mais le lendemain, mbang, akimani, maloba moko kaka. Il y a des paroles remplies de venin. Les paroles séductrices. Que Dieu te bénisse, maman. Mon frère, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, sois béni. Sois béni. Partagez. Zoba koton, tchanamato inayo. Banda ko sakola. Banda ko déclaré, yo fanika ko kontara one more, two more. Ndero nango perdre temps pamba. Kelou comme ça là. Le prophète Élie, le prophète, un homme de foi, un homme puissant, un homme fort. Mais du coup, il bascule par rapport à la foi. Il fait naufrage. Il devient un fugitif. Alors que hier seulement, il était un homme qu'on célébrait. Maman, est-ce que le bonhomme? Qu'on ne parle pas de ta foi dans le passé. Ce papa était un homme de foi. Pasteur, tu n'es pas encore mort. Tu es vivant. Mais on parle de toi dans le passé. Dieu n'était pas content de cette attitude. Il dit à Élie, Élie, bonne colère. J'ai encore des choses à faire avec toi. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui vas me demander de te retirer. Le chemin
est encore long. Ta course ne va pas prendre fin parce que Jézabel l'a décidé. Comment tu peux te laisser faire comme ça? Comment ta foi peut-elle être agitée par une incirconcis comme ça? Une incirconcis dans la personne de Jézabel. Tu as encore besoin de manger les gâteaux parce que le chemin est encore long. Il y a gâteau, bénis les Amoulaïs. Prie avant qu'on avance. J'aimerais que tu dises à Dieu, Lélo, Nazo Kamamato Inanga. Je suis en train de prendre les cotons spirituels et de boucher mes oreilles. Que je n'entende plus ce genre de discours. Que je n'entende plus ce genre de conseillers à côté de moi. De personnes envoyées susciter depuis le monde des ténèbres avec des paroles de découragement et de frustration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde des témoignages. Je regarde des vidéos où la puissance de Dieu est en train de se manifester. Des hommes de Dieu qui prophétisent avec détail, avec précision. Malheureusement, tous les exploits des fils et des filles de Dieu, on n'en parlait pas trop. Je vous dis la vérité. Mais une simple erreur, tout ça, ce sont des voix de Jézabel. Et ça pousse à beaucoup de gens de ne plus avoir la vie de prière. Et vous donnez la place à l'ennemi. Pendant que tu baisses, tu perds ta vie de prière, tu perds ta vie de consécration, tu perds ta foi en Dieu. Ne pense pas que tu restes la même personne. L'ennemi est en train de prendre de l'espace dans ta vie. On se rendre compte, mais tu te retrouveras comme, on l'appelle comment, Samson, avec les yeux crevés, en pleine prison et les mains liées. Ma prière est telle, ne soit pas ton partage. Que quelqu'un me dise non. Je déclare et je dis que tel ne soit pas ton partage. Pendant que tu m'écris trois fois non, que tu ne puisses pas finir ta course comme notre bien-aimé Samson. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, toi qui écris cela. Non, tu l'écris trois fois. La foi, nous sommes des petits frères de Jésus. Jésus-Christ parlait et il écrivait. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Pendant que tu m'écris trois fois, non de négation, N-O-N, pendant que tu écris cela trois fois, que le Dieu Tout-Puissant accomplisse cette négation dans ta vie, que tu ne finisses pas ta course dans la prison comme Samson. Pendant que tu l'écris, donne le Dieu Tout-Puissant honorer ta foi et accomplir la déclaration de l'homme de Dieu dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus que telle ne sera pas ta fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sera pas ta fin. Banda Kosaka, avant toi avancer, oseau déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, je m'éloigne de tout Jézabel, de toute Jézabel et de tout Jézabel. Ça peut être masculin, féminin. Voilà pourquoi je parle de tout Jézabel. Tu dis à Dieu, je m'éloigne de ce genre d'esprit, de ces genres de conseillers, de ces genres d'amis, de ces genres de frères, de ces genres de personnes m'apportant un discours de pessimisme. Tout celui qui veut remettre ma foi en cause. Aujourd'hui, je n'ai plus foi en Dieu. Aujourd'hui, je suis dans les doutes, je suis dans les hésitations. Je ne sais plus avancer. Normalement, à cause des conseillers, à cause des hommes et des femmes, Seigneur, maintenant, je déclare non. Je prends la clé de mes oreilles, je bouche mes oreilles, je n'écouterai plus, je ne céderai plus mes oreilles à ces genres d'amis, à ces genres de frères, à ces genres de sœurs qui viennent avec un discours pour me décourager de suivre les voies droites de Dieu, me repousser, me pousser à remettre en cause la confiance et la foi que j'avais vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant et sa capacité de restaurer ma vie, sa capacité de me sécuriser, de me protéger, de me rendre large et de me visiter. Père éternel, je ferme mes oreilles. J'aimerais que tu prennes deux belles minutes et que tu pries avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Éternel Dieu des armées, tendre Père, nous voici.
nous voici devant ton trône. La prière élevée de mon cœur, que les oreilles d'une fille de Dieu qui avait la foi en toi, les oreilles d'un fils de Dieu qui avait la confiance en toi, qui espérait en ta bonté, Seigneur notre Dieu, et la personne que tu as eu à visiter dans sa vie, Père, tu as opéré des merveilles, tu l'as guéri des maladies, tu l'as protégé, tu l'as épargné des pandémies, tu l'as préservé du malin. Seigneur, tu lui as donné un mariage heureux, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné un travail, tu l'as gardé en bonne santé, tu l'as épargné des accidents et des dangers. Papa, il était visité, mais tu es le Dieu qui l'a protégé, tu l'as sécurisé. Il a fait des exploits. Père, tu lui as répondu par le feu. Il a palpé ta main puissante. Mais maintenant là, sa foi est en train de faire naufrage à cause de menaces, à cause de paroles négatives qu'il aille à entendre ou qu'elle aille à entendre. Sa foi est en train de baloter. Il est agité maintenant. Il ne sait plus sur quoi espérer et placer sa foi. Seigneur, il est dans le désespoir total. Il est dans le découragement total. Son âme est abattue à cause des dires des gens, à cause de ce qu'il a écouté, à cause de ce qu'elle a entendu. Seigneur, nous revenons à toi, te demandant de nous aider par notre prière de ce matin. Nous fermons nos oreilles, nous mettons des cotons dans nos oreilles pour ne plus entendre les Jézabel. Ceux qui viennent nous faire croire que nous sommes en train de perdre le temps. Ceux qui viennent nous pousser à croire que nous faisons une perte de temps dans les prières que nous faisons. Et que tu ne nous écoutes pas. Père, que nos oreilles soient bouchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne céderai plus mes oreilles à écouter les propos ni les messages pessimistes de Jézabel. De paroles qui vont me faire entrer dans le doute et me faire perdre la confiance ni la foi en Dieu. Je refuse de fuir comme le prophète Élie. Après tous les exploits, après la démonstration de la puissance de Dieu, je ne fuirai jamais. Je ne lâcherai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Je ne perdrai jamais ma foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tikanzamba apeso makas. Apeso makas. Bien-aimé, écoutez. Ne minimisez pas les discours et les conversations que vous avez tous les jours avec les gens. Ne sous-estimez pas, bien-aimé Seigneur, les conversations. La foi vient de ce qu'on entend. Attitude affichée, on peut la voir dans la vie de David. La Bible dit, David, un grand héros, il a expérimenté la puissance de Dieu, comme Élie également, comme toi et moi. Mon côté na kat na biso akolo bakamona lobo kanza mete na vinaye. Dieu a fait de David un vainqueur dans le champ. Il a triomphé face à l'ours, il a triomphé également contre le lion. Il avait un témoignage ou deux puissants témoignages avec Dieu. Et quand il arrive à Térébinthe, il va rencontrer Goliath. Bien-aimé, vie ne zo mon amour boyen. Eza vie à éternel recommencement. Eza vie moro cyclique. Vie à la recolle à pneu. Aujourd'hui, tu as remporté une victoire. Ne pense pas que tu seras toujours en train de célébrer cette victoire éternellement. Après chaque victoire, il faut s'attendre à un nouveau combat. Et c'est des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu a permis que tu combattes et qu'il t'ouvre une porte. Tu rentres dans une certaine saison. Ne pense pas que tu resteras comme ça toute ta vie. Après saison et gloire, saison bitumomsu se yaka. Après le temps d'apogée, viennent également des temps de turbulence, des zones de turbulence. David a triomphé face à l'ours dans le champ. Bien-aimé dans le Seigneur, il a témoigné cela auprès de ses frères qui ne l'ont pas cru peut-être. Mais après ce combat, voilà qu'il se retrouve encore face à un autre combat. C'est le combat contre Goliath à Térébinthe. Il sort vainqueur à Térébinthe. On le célèbre.
David a tué ses 10 000, tandis que Saoul n'en a tué que 1 000. Mais après ce combat-là, il a affronté qui? Le roi Saoul. À côté de tout le Saoul. Ne pense pas que comme tu as combattu hier, Dieu t'a donné un témoignage, c'est fini, tu n'auras plus d'autres combats. Tu rencontreras un combat différent. La vie sur cette terre, c'est une vie de combat, victoire, combat, victoire, combat, victoire. Bakou Sayoter. Voilà qu'il arrive à tes rebelles. Il est en train de parler de l'attitude face aux personnes qui viennent avec un discours teinté de toutes sortes de venin satanique pour te frustrer, te faire entrer dans les doutes et dans les désespoirs. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Une fois arrivé à Térébent, cet homme qui avait un témoignage dans son cœur, il avait la foi en son Dieu. Comme toi, tu as marché pendant des années avec ces dieux-là. Il m'a dit, ma jeune, ma prière. Il y a où tu as 21, côté 3, côté 3 Esther, côté 7, côté 7, côté 14, côté 14, côté 40, Moïse, ça les fois 2. Il y a Jésus, 80. Il y a deux bêtes 100 jours. Où en es-tu aujourd'hui? Tu as du mal à fléchir les genoux pendant 5 minutes. La Bible dit, quand il arrive à tes rebelles, il voit l'obstacle. C'est comme toi, tu as mené un combat, tu as vaincu le célibat, tu es marié, tu as vaincu la stérilité, tu as des enfants, tu as vaincu le chômage, tu travailles. Mais maintenant, tu as un autre combat, le combat de l'infidélité. Un balayoumi infidèle, hein? Grand coureur des jupons. Moi, c'est Nayokmi, grand Dumba. C'est un combat. Vie salama bongo, bitoumé ça partout. C'est pourquoi je te dis, mon frère et ma soeur, il faut faire très attention. Voilà qu'il arrive maintenant à Térébent. C'est le combat de Goliath maintenant. Quelqu'un vient avec des propos, des persuasions, des dissuasions plutôt. Une langue porteuse de venin de serpent va ouvrir sa bouche et parler. C'est qui? C'est le frère de David. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Yaya bimio anambam. Oh petit bonuko. Makamno awate. Hein, balolé ne doit pas en pamba. Tu es gonflé pour rien. Non, c'est pas ici. Ne nous fais pas honte ici. C'est sympa avec tes discours là, des lions et des ours là. C'est des choses qu'il faut dire à la maison. Pas ici, s'il te plaît. Tais-toi. Alinga tangi, c'est mon oncle. David Abit, tiens. Tu veux me faire taire alors que moi je suis témoin de la puissante main de Dieu dans ma vie. J'ai une histoire à raconter. Si toi tu es caractérisé par le désespoir, si toi tu as combattu la seule bataille que tu as rencontrée dans ta vie, c'est Térébent, où tu es resté en train de sombrer 39 jours et 39 nuits, moi là j'ai une histoire avec Dieu. Moi j'ai combattu dans les champs. J'ai combattu dans l'ours. Papa, vous comprenez l'attitude? Ne t'étais plus quand tu es en présence de personnes ayant des langues de venin de serpent, ayant pour mission de te faire naufrage par rapport à ta foi, de te décourager dans les voies droites du Seigneur, de te repousser loin de la face de Dieu avec des discours de dissuasion. Ça a la peine une langue facile à répliquer. Un adage de ce monde dit qui ne dit mot consent. Koufanda qui n'est pas maloba msus. Er Jezabel Zako Loba, il peut faire ça. Quand les grands frères de David s'élèvent pour te faire perdre ta foi et la confiance en Dieu, il faut comprendre les détails du combat. David comprenait cela. Voilà pourquoi il était vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il comprenait. Directement, il va se tourner. Il tourne à Bendani Penza Tiki Asundoli. Il y a des personnes d'affaires qui doivent te séparer. Moutinou Souza Ochan Anzotote. Depuis que j'entretiens une relation d'amitié avec toi, tu m'affectes, tu me communiques quoi? Quand tu n'affectes pas ma foi, je me déconnecte. Je me déconnecte.
Et toutes les relations dans ce monde, mes amis, c'est des choses que tu dois retenir et comprendre aussi. Personne ne t'oblige de t'accrocher à quelqu'un qui ne t'affecte pas positivement. Dans la vie, Dieu permet des rencontres. Comme ça commence là, il faut te mettre dans la tête que ça peut aussi finir un jour. C'est des choses que tu dois comprendre. Voilà pourquoi moi, votre humble serviteur, je ne m'en veux pas, même surtout sur le net ici là, à quelqu'un qui vient et on prie avec lui pendant une période et après il sent que moi je ne l'édifie pas. Il part, tu pars. Je ne peux pas te forcer, forcing. Il y a un temps où on peut se rencontrer et un temps où on peut se séparer. Il y a un temps où je peux être une bénédiction, je t'affecte positivement. Un temps où je ne t'affecte pas, tu pars, tu pars. Mais du moins, laisse-nous tranquilles. Ne viens pas nous pirater, nous combattre. Le message qui ne t'intéresse pas, ça va intéresser quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, même une personne à la terre, Ananga. J'aimerais que tu comprennes ça toi aussi. Cesse le temps de t'en vouloir aux gens. Papa, Akananga, Binemia, Kenda. Tana yonaye et koki. Quand il ne t'affecte pas, tu te retires dans le calme et tu t'en vas. Pasteur à l'oufoundoué, baninga koutouba bengaka. Bien aimé Seigneur, bengaka wana bengaka, azan intérêt na bengilak. Azan la philosophie na ye, azan la compréhension na ye. Mais moi là, j'ai ma philosophie. Tu ne peux pas me changer. Et c'est comme ça que j'opère. J'ai compris ça dans la Bible. Dans l'équipe de Jésus, les gens sont partis. Tout le monde est sur les notes de ma disciple. Un seul Jésus a repris, c'était Pierre. Parce qu'il avait une mission à accomplir avec lui. Il fallait qu'il lui remette la clé de l'église. Pierre. Mais les autres qui étaient partis, les ramassés, sont partis. J'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas appelé à être toujours avec les amis, les mêmes amis, non. Cesse de te faire trop de soucis, aya. Ba kiminga ba kei, ba ningo ba sele kinanga depuis moi. Oba ninga pena quartier bo moana. Akena ye, il y a un temps où vous allez vous rencontrer avec des gens, un temps où vous pouvez vous séparer. Mais ce que je te demande, c'est que vous vous sépariez dans le calme et dans le bon. Ne sois pas coupable que au finga qui est, que au ina qui est, que au kusle qui makambu. Séparez-vous dans le calme. La Bible dit, lorsque David a constaté que son grand frère devenait un obstacle et ses propos, c'était des paroles remplies de venin de serpent pour lui dissuader de la victoire qu'il devait remporter face à Goliath, bien aimé, grand frère, au revoir. A benanana malembe, à la nyaouleri, a déplaça penza, kimaye swabala. Sors de certaines mutualités. Sors de certains groupes d'amis. Tous ceux qui te conduisent à la ruine, à ta ruine. On va se repousser au faire naufrage par rapport à ta foi. Mi benana na bango yaya. David s'est retiré. Asundola yaya. Tu es mon grand frère, oui. Tu es ma soeur, mon ami du quartier, oui. Tu es un frère à l'église, oui. Mais quand tu m'apportes un discours me poussant à remettre en cause ma foi en Dieu et la confiance que j'ai vis-à-vis de Dieu, l'espoir en Dieu, le Dieu qui m'a promis des choses lesquelles doivent s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux me communiquer ton incrédulité, tu veux me communiquer ton découragement, tu veux me communiquer tes échecs, tu veux me communiquer les doutes, tu veux me communiquer ton incrédulité. Je ne connais pas ton origine, je ne connais pas ta nature, je ne connais pas tes sources d'inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que beaucoup sont dans l'église, je suis en train de faire des choses. À cause de la moine, maman a été fétiché. Depuis que je suis en train de faire des choses, l'esprit de sirène est en train de faire. Qui prêtes-tu tes oreilles? J'ai beaucoup aimé les questions qu'on posait, on appelle comment le machiniste du bateau de Jonas.
Il a posé beaucoup de questions. Il pose la question à Jonas parce qu'il les trouve étranges. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelles sont ton origine? Et qu'est-ce que tu fais là? Maman a ma question. J'ai beaucoup aimé la question de Josué, fils de Noun, en pleine guerre, pendant qu'il est dans le besoin. À Saint-Séba, tout le matin, parce que mon imprimé a un aspect, à la position, à le tien, dans notre malamant. Josué pose la question. Es-tu des nôtres ou bien de nos ennemis? C'est des questions importantes que nous devons nous poser. Cherche à discerner le langage à travers le discours de quelqu'un. Tu peux repérer de quelle nature la personne est et quelle est sa mission à côté de toi. Dès que David a compris que son grand frère était un missionnaire envoyé depuis le monde des ténèbres, un agent de découragement, il s'est retiré de lui. J'aimerais que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il y a des personnes envoyées comme missionnaires de Jézabel à côté de moi, même dans ma famille, aide-moi à me retirer d'elle. Il y a des personnes que tu ne dois pas attendre le long de la journée. Tu les as beaucoup entendues et ils ont affecté ta foi. On comprendra tendre une vie de prière no ekita. Et le lieu qui va tenir pasteur, le bikuna va tenir wana, le bikuna église ouais ça m'a bé, le bikuna message route pas boire qu'elle a qui jette. Message on a route pas ça là qui boit. Toi tu n'es là que pour regarder pas boire qu'elle est montée jette. Message ouais pas boire qu'elle a qui maman qui gagne, elle qui s'il le fond. Oh et ça qui papa qui gagne. Le diacre, c'était le diacre tel. Tu vois, tu veux le pasteur fiston. Il a prêché quoi? Ah, bah toi qu'est-ce? Bah je suis à Bambo. Bien-aimé, quand tu as des gens comme ça, débarrasse-toi d'elle. Retire-toi, sors du milieu d'eux. Ta foi sera affaiblie. David a compris le secret. Il se retira. Il se déplace. Il n'a pas fait les sentiments diaboliques. Isa, yaya, respect, buenaboy, Oyoyo, communicateur de la mort. Il va faire naufrage. Ma foi va faire naufrage si je continue à lui prêter mes oreilles. Il s'est retiré. Il s'est rassemblé avec les gens qui lui ont donné l'occasion. Il va auprès des autres. Il tient le même discours et affiche une attitude différente de celle de son propre frère. Maintenant, il va payer ses chances. Oh, yaya. Moi, Pétion, on a couragé. En tout cas, il est déterminé dans son langage. Accordons-lui la chance. C'est à toi de décider. C'est à toi de faire le choix des hommes et des femmes et des personnes avec qui tu vas marcher. C'est à toi de faire le choix même de l'Église. Personne ne le fera à ta place. Pour na bato yo, bazo ko accompagnons na kat na vision na yo. Si tu trouves que l'islam, vision d'un rapénèse est étouffée, longoi, tu n'es pas obligé de rester dans une église. Va ailleurs. Prie, Dieu va t'orienter. Même chez moi ici, c'est pourquoi je vous dis, je répète, hein, je n'obligerai jamais personne. Ça la cacahuète, ça la cacahuète. On ne t'aide pas par rapport à ta foi. Va ailleurs. Va écouter ailleurs. Mais seulement si je te demande, laisse-nous tranquilles. Mon frère et ma soeur, je te dis, David a affiché l'attitude que je te donne là. Akenda Penza Abendana. Et quand il arrive, il écoute les gens qui lui donnent l'occasion, qui lui ouvrent la porte. Bah facilité tâche, ma biaya, te représenter par roi. Vu la détermination que tu as, nous on va te booster. Nous là, on a échoué. On n'a pas pu faire quelque chose. Mais vu comme toi tu es déterminé, on va t'aider. Yarto d'action zéla. Commence par demander au Saint-Esprit de t'aider à faire le bon choix des communicateurs, des personnes avec qui tu vas partager ta vision, des personnes avec qui tu vas partager tes ambitions. Et là, tu as connaissance intime, ma copa. Mais quand tu partages la vision, tu sens une incompatibilité. Retire-toi. Retire-toi. C'est pourquoi on a vu que Naomi, ayant des secrets à révéler, elle n'a pas voulu le faire
à Zilpa. Mais elle a gardé cela secret. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem Ephrata, elle a dévoilé son cœur. Elle a révélé les secrets. À qui? À la petite Ruth. Parce qu'il a compris que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. C'est quelqu'un à qui je peux communiquer le bagage que j'ai et la richesse. Il y en a pas une source, vision limitée, incrédule de naissance, n'ayant aucune relation, une alliance avec Dieu, ne comprenant pas les choses de Dieu. Vision a eu qu'il a une énergie. Retire-toi de certains milieux. Ne partage plus ta vision avec n'importe qui. Fais comme David. Rapproche-toi des bonnes personnes. Les détails de ton combat. Beaucoup échouent parce qu'ils ne comprennent pas ces combats. Je parle des combats dans le spirituel, mais je parle également des agents dont se sert le diable dans le physique pour te combattre. Tu penses que tu es en train de faire la galerie, mais il y a une mission à Eli Pemben Nayo. A Bomo Kondimanios, Herba récupérer yo aux anges soutien. Beaucoup aujourd'hui sont déconnectés de leur père spirituel. Beaucoup aujourd'hui sont déconnectés de leur Dieu, par même la foi. Ils ont perdu la foi en Dieu à cause des amis. Et ben, les grands ma solo, rendez serpent. Atteignez la mission. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Les choses que moi je vois et que j'entends de la part de Dieu, c'est des choses que toi peut-être tu ne vois pas. Mais moi je te parle comme Élisée parlait à Géasi. Ceux qui sont des nôtres sont plus nombreux que ceux qui sont des leurs. Yozumana Muninga. Ah, papa, Zanega Muninga. Zara sert, te semble rana et dandaka. Après ça, Rabba conseil, mais tu ne connais pas la mission. Tu es un libérateur de famille. Tu as une grande destinée. Tu as une grande mission entre les mains de Dieu. Mais fais attention à la personne avec qui tu commences à partager ta vision. Sirène des hommes, mon aîné. Tout le monde a ma famille côté Outa. Quand il y a un deux qui commet des fous. Il y a l'Ukuta, Tepe, Yasso, Loazalarango. Mais aujourd'hui, il s'est maquillé. Fille de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Il est là à côté de toi. Anda comme Aminayo. Tu n'auras aucun soutien. J'aimerais que tu fasses cette prière pour dire, Seigneur, l'attitude de David, Seigneur, j'aimerais qu'elle soit la mienne. Partout je me trouverai, que ce soit à l'université, à l'école, à l'église, sur les nets, partout j'irai prier. Et moi, je vous ai toujours interdit certaines habitudes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu la foi. Pourquoi? Je vous avais montré la fois passée avant le compte qui venait d'être piraté là. Mon plus grand compte. Combien de personnes rentraient à chaque émission? Marabout un tel. Venez chez moi, on a des trucs de magie. On a des trucs pour soutenir le mariage. Tu veux le succès dans le travail? Combien? Par émission. J'en recevais une dizaine, à faire des 5 à 10 personnes par émission. Oh, sirène et tel, marabout, chance et abonnabout. Maintenant, je vous pose la question. Vous les avez vus se comportant comme des marabouts, des sirènes, etc. Parce que ces personnes-là, elles se sont affichées comme telles. Et je vous pose la question. Si ces personnes-là se présentaient aussi comme frère Patrick Kalala, sœur Patricia Kalala, sœur Ngain Kalala, Nemoutouana, Yena Awana Life. Après, Bobandi qui est amitié. Ma copa, ya copa, ta copa, ta copa. Lobi lobi, abani ko kotsu babiloko. Ani ko kotsu babiloko. D'ailleurs, koutou, aza orgueye. D'ailleurs, koutou, aza mouyibi. D'ailleurs, koutou, aza saleki boye. D'ailleurs, koutou, moi sinaye te mon bal naye sa boye. Tu auras du mal à discerner la vraie nature de la personne. Parce que elle s'est habillée en agneau ou en brebis. C'est effectivement de ça que je parle. Dans la foi, Nayo, vis dans la prière côté où tu es en Nzambe et regarde là où tu es aujourd'hui. Tu te rendras compte que tu as accepté des gens comme frères,
comme amis et connaissances qui étaient des envoyés du monde des ténèbres. Et beaucoup d'hommes de Dieu aussi tombent dans le filet. Mon amour, toi, Yézou, quand ça m'a brébi. Parce qu'à lui, shalom, papa. Parce qu'à pécho, frande. Parce qu'à prier, boutou, et à partager, belé. Bien-aimé, Seigneur. Nzamba soumou. Je te dis bien que Dieu nous aide. Et les véritables prévus du Seigneur ne peuvent pas non plus se décourager à soutenir, à partager, à servir parce que le pasteur a prêché comme ça. C'est que la personne qui se décourage, c'est qu'elle s'est retrouvée. Nga ba dévoilé nga. Sauf soit se payer les mailles. Et elle va nous connaître ma salle. Mais la brebis du Seigneur, tu sais que dans tout ce qu'on dit là, je ne suis pas. L'homme de Dieu m'édifie pour affermir ma foi. Tu persévères dans la vie. Dans le zèle que tu avais. Et nga la lemba ko te partager parce que ma fingre biso bandumba. C'est que yo zalaki bongo. C'est que c'était toi. Mais la Bible dit les brebis du Seigneur reconnaissent la voix du maître et elles la suivent. Donc il y a des gens que tu as associés. Tu comprends pas, papa, je ne reçois ni vision, ni prophétie, ni prière. Tout ce que j'ai fait comme prière, ça ne reçut plus. Seigneur, papa, ça ne marche pas. Mais tu as associé qui? Au commissaire ni muninga na yo. Frère Jeannot, or c'était un marabout envoyé, il s'est déguisé en chrétien. Simon le magicien. Tu vas prier pour dire à Dieu, Père, épargne-moi de ces genres de connexions. Aide-moi à me retirer de ces genres de milieux. Parce que moi, je suis appelé à faire tomber Goliath. Je ne peux pas faire tomber Goliath en écoutant des propos de mon frère. Des propos de découragement de mon grand frère. Je ne peux pas faire tomber Goliath en écoutant, en demeurant dans un cercle où mon frère est en train de me décourager. Et toi là, va à la maison. Ce n'est pas en écoutant des gens comme ça que je puisse affronter Goliath. C'est pourquoi je te prie de m'aider, Seigneur, aujourd'hui. Donne-moi le zèle, la détermination, le courage de me séparer de certaines personnes et de quitter de certains lots et de certains milieux. J'aimerais que tu fasses cette déclaration de foi. Que tu fasses cette confession de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et commence à prier. Tendre Père, je m'élève. Ce matin, je m'élève. Et je prends la résolution de me déconnecter de certaines personnes. Les grands frères de David ne seront plus le partage de mon environnement. Dans mon cercle vicieux, je me retire des gens comme le frère de David ayant un discours de persuasion, de dissuasion. Au nom puissant de Jésus, Père, ouvre-moi de nouvelles connexions. Communique-moi des frères et des sœurs, de personnes capables d'affecter ma foi. Chaque fois que le diable pourra susciter quelqu'un avec un venin de discours, de découragement, de dissuasion, que je les repère facilement comme David et que je me retire de la personne et que je sois orienté vers de bonnes personnes par rapport à ma destinée qui vont me propulser à la réaliser en toute facilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voilà que les personnes qui sont des personnes dangereuses, le camp adverse ne les laisse pas. S'effrayer un chemin facilement, il y aura toujours des barrières. Alors vous avoir des gens que vous allez penser être des amis. Or, ce sont des bombes à retardement. Revenons à la vie de Samson. Il a commencé à faire des exploits. Avec la mâchoire de l'âne, il va terrasser 1000 soldats philistins. Vraiment, il est dangereux. On lui a envoyé quelqu'un à côté de lui. On l'appelle Delila. Comprends les détails de ton combat. Ne pense pas que la personne qui va te combattre viendra nécessairement avec un front fermé. Ne pense pas que la personne que le diable enverra pour empêcher, stopper ta destinée viendra avec les habits à moitié nus, pasteur. Aïe, le col à moi, c'est avec la boîte de nuit. Ah, maïe, aïe, le pénal, le col à serre-moi, et bien, moi, nzambé. Ça me fait que non, serre-moi, pénal, et bien, moi, nzambé, pénal, bah, moi, nzambé, bélé, bélé, bélé. Des fois, c'est une vieille maman. Mais elle a mis mon séduction. Des fois, pendoki. Sorcière.
Alors, pendant que le message sort au wana, tu es en train de prêcher les actions que lui pose. Aïe, Dieu peut le coller à mon dîme. Je rendais à Kanga, ma balle, la banane, n'y en soit basse. Mon arazo retourne sa rawana, papa sambe la ponanga, sambe la ponanga, bana bazaro balarate, bana nanganyon sobena bouebuna bezoran de ye mokondoki. Ndoki, yabana naye. Ah, malheureusement, va quoi à peine à passer, m'souan à passer gala la paix, toke ne pèna ritiman, sambe la yaya, sambe la ponamana kinga, n'zoran de yumro cho, au lex salaire, n'en sam sanangai, je reçois et les brebis et les loups. Oui, et toi, c'est le ramassal à pastora. Priez. Quand il dit, oh, pasteur, n'a pas bourré, pasteur, à mon raté. N'aime dans vos anchors. Au salon à ventir, n'aime les soupers à air, toi qui n'est pas la vente de moi. Toi, tu as rabat dans le système. Tu relèves, bah, yon, rokim. Prie que Dieu t'aide à te repentir. Yom kosa ko luka kabana na yo. Mozwe langa awa vanti. Paste bananga otu misala zate. Yom kosa ko kanga misala na ba. Yom kosa ko luka ba tae ba tivita bana na yo. Yom ko bana baza ko telenga na yo. Yom ko yebi makampu. Na buku. Siko zo ko teste eske. Paste a ro devalenga. Tor devalenga te. Soa to kanga batu bando kite. Trote a yo kaka mama. Bongo la mutem. Regarde ya de mama ki detruise le destiné de leurs enfants. Il y a des papas qui détruisent le destin de leurs fils. Il y a des frères qui font ceci. Je vais prêcher la vérité. Au bon moment, mon thème a gagné. Mais il n'y a pas venti. Tu me mets au candidat. Dis-moi, moi, j'ai prêché la vérité. Et jour à soukaye sur le bakala, là, tu as fait ton travail. Oui. Je lui avais parlé des papas Lot. Je lui ai parlé des papas Lot. Elle était maman Lot. Elle avait écouté. On a fait même des séances de prière, mais n'a pas voulu se repentir. Elle venait, qu'on a voilé, qu'on a distrait. Et moi, je l'ai menée dans le rythme, en tant que pasteur réveillé. Aux gens, on a piège, on a quand même dit, pasteur, quand même, on a dit, non. Je parle à quelqu'un. On se connaît des vues, mais pas des cœurs. Soyez prudent comme les serpents, humble comme la colombe. Samson, tu déranges tellement. Le monde des ténèbres, il faut le voir pour ne pas étouffer. Comme pour arrêter mes pasteurs, bien-aimé, on parle des détails du combat. Il ne nous reste plus que 10 minutes, mais en 10 minutes, je vais encore dire des choses avant qu'on clôture. Maintenant, de quelle manière beaucoup de personnes, tu vas voir un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, il craint Dieu, il prie, il comprend tout ça. Mais comment mitoumbani zozala? Il y a mon pleur, mon roboué, papa, mais on dirait, mais nzambe nesko azawat, azo salate, ndengeni. Bien aimé, bitoumba monte, comment est-ce que c'est compliqué? Quand bazo mon esko, base arrière. Hein? La Bible dit la nature, elle ne nous enseigne-t-elle pas? Base arrière. Lorsque ta base arrière est faible ou bien ne te soutient pas, tu vas voir que tu auras des combats forts. Alors quand tu as compris ce système et tu commences à combattre maintenant en connaissance des causes, Ndekonanga, tu sortiras vainqueur en un peu de temps. Et nous avons compris ces choses, on est en train de chercher et dans très peu de temps, on va avoir des grands témoignages à vous donner parce que c'est des bases auto-comprendre. Le monde des ténèbres fait quoi? Souvenez-vous de Samson. Samson est allé attaquer les camps des Philistins. Il a mis le feu. Et quand il met le feu, Samson va brûler les champs des Philistins et il fuit dans sa base arrière. Malheureusement, base arrière n'a pas soir. Balembele na balembele. Au lieu que les gens, le camp de Samson puisse le soutenir dans la vision, mais base arrière naïe, baso marchait même vision de Samson. La Bible dit, lorsque les Philistins sont venus à la recherche de Samson, ils vont rencontrer les clans de Samson qui n'ont pas parlé le même langage que leurs frères. Mais bako teli bazo li part.
y a un ennemi. Des maladies, oh mon ami, tu es une fille de Dieu, tu pries beaucoup. Tu respectes Dieu, tu cherches la face du Seigneur et tu es vraiment forte dans tous les domaines. Mais tu es fragilisé lorsque ta base arrière des personnes censées te soutenir, soit ta famille physique, soit ta famille spirituelle, c'est ça ta base arrière. Quand elle est fragilisée, tu ne seras pas fort et résistant. Et si tu n'es pas tellement éveillé, on risque de l'emporter sur toi, comme ce fut le cas pour Samson. La Bible dit, lorsque les Philistins sont venus, ils vont parler à Samson. Ils n'ont pas trouvé Samson, mais ils vont rencontrer ses frères, les clans de Samson. Les détails de ton combat. Ils posent la question, où est votre frère? Parce qu'on les cherche. Regardez ce qu'il a fait. Il a gâché notre vie. Il nous a combattus. Il a fait des jeûnes. Il a fait des prières. Il nous a envoyé du feu. Il nous a envoyé des obis. Oui. Écoutez la réponse de la base arrière de Samson. Yaya, pardon. Buvez de l'eau glacée. Apaisez vos esprits. Rentrez en paix. Nous-mêmes, sa famille, nous-mêmes, ses frères, nous-mêmes, ses sœurs, on va les chercher. On va l'arrêter. Et on vous l'amènera captif. Et vous allez les traiter comme vous voudriez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Famille côté Houthi. Quand c'est une famille complice avec le camp de l'ennemi, une famille dont la base n'est pas bonne, le fondement n'est pas solide, ça peut être une famille où il y a des querelles. Messieurs et dames ne sont pas sorciers, mais ils sont dans des disputes, dans des divisions, ils ne sont pas forts. Tu es exposé. Quand c'est une famille où les parents sont dans les choses mystiques, fétichisme, sorcellerie et autres, tu es déjà exposé, tu n'es pas fort. Quand c'est une famille spirituelle où le pasteur lui-même, il est dans des sciences, aujourd'hui, ils sont nombreux. Ah, pasteur, à terre, qui t'es dans le théâtre. Je suis esclave de la vérité de Jésus-Christ. Des féticheurs pasteurs, ils sont nombreux. Toi, tu penses que tu es un pasteur loin de Dieu. Or, tu es un pasteur sorcier. Tu penses que tu pries dans une église du Seigneur, alors que tu pries dans une église où le pasteur est dans des combines mystiques, dans des totems. Ne pensez pas que le vrai pasteur, c'est celui qui prêche la crainte de Dieu. On dit, mais la pasteur, elle a la boîte, elle a pleinement ma sanctification. Tu ne connais pas mon état d'âme. Tu ne connais pas mon état d'esprit. Il y a des pasteurs qui vous prêchent la crainte de Dieu. N'ayez mon coin pudique. Ils vous prêchent, ne touchez pas à la magie, mais lui-même occultiste. Il condamne des pratiques abominables, mais lui-même, il est dedans. Oh, pasteur, à la terre quittée. Je vous dis des choses. Comprends les détails de ton combat. Je parle à tout fils de Dieu, toute fille de Dieu. Connais l'origine de ta famille. Tu proviens de quel type de famille? Famille n'a pas ça, tu as dit coco. C'est aujourd'hui à peine de combien, tout comme les personnes chrétiennes, mais il y a une famille, il y a un coco, il y a un coco. Il croit qu'il y a un keta. Il croit qu'il y a un totem, il y a un mystique, il y a un serpent. Des forces maléfiques, bien aimé, il y a ma famille Mororo blague à rater. Quand tu es Samson, tu proviens de telle famille, fais attention dans ta marche. De remonaké, retour ezoya, mais ozo ningana, parce que tu n'as pas de fondement solide. C'est pourquoi toi, mon frère et ma soeur, tu as des enfants, tu proviens des parents, tu es né des parents qui prient en esprit, en vérité. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi certains ministères, Bundisa. Mais tu vois, le monsieur tient. Il va dire, Bapika qui m'y sissa déjà. Et c'est des personnes difficilement. Je ne vais pas citer le nom des gens ici. Mais laissez-moi vous dire, vous allez voir certains combats dans la vie de certains pasteurs.
où papa na maman est consacré dans la prière. Ba recommander ba na la bonne prière. Ba pasteur na ba avancera toujours. Ils vont rencontrer des combats et des combats, mais ils sortiront vainqueurs parce que ils sont provenus des parents, des familles où les parents ont dressé des autels, élevé des autels, consacré leurs enfants par des prières, par des offrandes, des sacrifices. Élevant des autels en leur faveur, ne blaguez pas avec ce genre de personnes. Au moins, habitude, on a formé tout, mais jamais à quoi. C'est pas le fétiche, c'est pas l'occultisme. Les alliances de leur père. Si que yonanga to zawa, autant les familles na simabo, papa mutabakis, autant les kotobo, kota bo maman kote un pied dedans, un pied dehors, autant na famille bo, kindoki na kindoki. Ndeko nanga ozoli ngo kanga mananza mena ndenga solote, tu te laisses emporter à n'importe qui, tu te confies et tu attaches n'importe qui, mais tu te fragilises davantage. Maintenant, tu peux même avoir les supports du côté spirituel. La personne qu'on envoie à côté de toi vient te déconnecter d'un pasteur qui t'affecte positivement et qui devient un mentor. Parce que c'est le même prix pour toi. Et tu vas critiquer ce pasteur, le décourageant, le frustrant. Tu ne connais pas combien il endure comme combat à cause seulement du travail qu'il fait pour toi. Il est 1h30. Combien dorment maintenant ici aux États-Unis? Et pendant 2 heures du temps, toutes les nuits, tu reçois un plus. Tu comprends certaines réalités. Parce qu'il y a un homme qui prie et qui prêche pour toi, qui te prêche et qui prie pour toi. Mais tu ne seras jamais pardonné. Même à ta mouton, laquelle il m'a bêté. Mais laquelle m'a bêté, l'andélio. Parce que tu combats quelqu'un qui t'affecte positivement et qui te défend spirituellement. Tu ne connais pas combien de combats j'endure. Mais tu te mets sous un joug de malédiction. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut faire très attention aux personnes auxquelles vous vous attachez. Faites très attention aux personnes que vous combattez. Au combat, tu vas combattre. Cherche à avoir une base arrière forte. Je vais te faire une base arrière à bien te voir dans le roi Samson. Bande galibanda baye bakuti bazu passoir bango bazo faciliter sous soutache. Tu es né d'une famille sorcière, d'une maman sorcière, un papa occultiste, un papa sorcier, un grand frère occultiste. Ces personnes-là ont la facilité de te vendre et de t'exposer. Samson, malheureusement, il était tombé dans ce filet-là. Les personnes censées les protéger, il dit c'est sur Philistin. Yaya bola la ponga ba bébé biso moto zo la bino ya. On va le livrer entre vos mains. Ce sont de telles familles d'où tu proviens. C'est ainsi que vous voyez, on sacrifie des gens facilement. Un magicien rentre dans un bus, il occasionne un accident. Des personnes comme ça peuvent mourir facilement parce qu'ils n'ont pas de base. Famille. Mais la bonne nouvelle que je te présente ce matin, je ne vais pas finir sans parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ que je te prêche, il est venu pour des personnes comme toi, sans base arrière solide, sans famille de base. Mais la véritable base arrière pour toi aujourd'hui, c'est la famille de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Golgotha, c'est le sang qu'il a versé à la croix. C'est Jésus-Christ qui peut être ta base arrière. Il dit, vous êtes morts et vos vies sont cachées avec Dieu dans les lieux célestes. Alors, quand tu te confies en Jésus, confie-toi en esprit, en vérité. Ne viens pas avec la vie de mélange. Ne viens pas avec la plaisanterie. Ne te moque pas de Dieu, ni de ceux qui sont des canaux par lesquels Dieu passe pour te protéger, pour affecter ta foi. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce message. J'aimerais que tu fasses cette prière, on va clôturer par là. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai compris de quelle famille moi je proviens. Ma famille est comparable à celle de Samson. Dans ma famille, on peut me vendre facilement. Je n'ai pas une base de protection solide. Voilà pourquoi je vais me réfugier en toi. Défends ma cause, Seigneur. Chaque fois que les Philistins viendront, qu'ils trouvent une famille spirituelle, comme celle physique, elle n'est pas solide, ils sont dans des combines, mais je te prie de me sécuriser. Mais la faiblesse de Samson,
Il avait Dieu, oui, mais malheureusement, il n'a pas discerné les détails de son combat. La personne qui était à côté d'elle, pensant que c'était une épouse, alors que c'était un agent du monde des ténèbres avec un langage de venin, de serpent. C'est la même maladie qui te caractérise, mon frère. Tu vas prier pour dire à Dieu, aide-moi à passer mes deux pieds en toi et à poser ma foi en cette parole que je viens de recevoir. Nous allons prier en 2 minutes et clôturer cette émission. Père éternel, merci de nous parler. Merci de nous aider à comprendre les détails. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme tout le monde. Vu les origines de nos familles, vu de personnes censées nous sécuriser, mais c'est qu'elles sont, Seigneur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à nous attacher à n'importe qui. Parce que notre base n'est pas si solide. Voilà pourquoi nous venons à toi. Que tu sois notre base arrière. Nous venons à toi comme la ville des refuges. Chaque fois qu'on sera poursuivi comme Samson l'a été, à cause des dégâts qu'on va poser dans les camps adverses par nos prières, par nos déclarations, par nos prières d'agression, par les attaques, par nos prédications, par nos services, lorsqu'on sera poursuivi, Seigneur, qu'on n'ait pas la ville des refuges, la famille ou le clan comme Samson, mais que notre ville des refuges soit le nom de Jésus. La Bible dit le nom de Jésus-Christ est une tour forte devant nos ennemis. J'aimerais que chacun de tes enfants qui a compris ce message, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à la légèreté. Toute personne qui provient des familles où règne la sorcellerie la plus noire, où les parents étaient dans le fétichisme, et ce sont des incrédules. Ils sont dans des talismans, ils sont dans des trucs maraboutage et autres. Seigneur, aide ta fille et ton fils de ne point commettre des erreurs comme Samson. Aide à ton fils et ta fille qui allument le feu tous les jours de ne pas le laisser s'éteindre. Aide à chacun de tes enfants d'avoir les yeux et les oreilles ouverts et de discerner des lilas malgré le langage plein de douceur et de séduction, mais que nous soyons à mesure de les détecter et de ne pas le laisser s'attacher à nous comme la lèpre. Je déclare maintenant la séparation d'avec Delila, le détachement des frères de David, le détachement d'avec de personnes capables d'affecter négativement notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, mais nous revenons à toi, posant ainsi notre foi en ton nom et en l'œuvre de la croix de Golgotha. Que le sang de Christ Jésus nous couvre, nous sécurise et nous protège. Nous rebâtissons notre foi en toi et qu'elle produise des fruits ainsi que des témoignages. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le roi des rois, l'agneau immolé de Dieu, l'étoile brillante du matin. Daigne le Dieu Tout-Puissant vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous recommande de vous abonner sur notre page Patrick Kalala Ministry, vous qui n'êtes pas encore abonné, et de cliquer sur la cloche de notification pour suivre toutes nos publications. Je vous prie aussi, vous qui nous avez suivis, de partager massivement ce live et de permettre à quelqu'un d'être branché, scotché. Je vous recommande aussi de vous abonner à notre compte YouTube, la chaîne YouTube Patrick Kalala, où nous passons des moments de prière tous les jours. Il y a des vidéos qui vous édifieront, des exhortations, des courtes tout comme des longues, des séances de prière qui vont vous affecter. Vous n'avez pas le temps, comme beaucoup de gens n'ont plus le temps de rentrer sur Facebook. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent YouTube. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube et suivez des moments de prière là-bas. Il y a de ceux-là qui sont maintenant sur TikTok. Abonnez-vous aussi à notre compte TikTok, Patrick Kalala officiel. Patrick Kalala en un mot, Patrick Kalala officiel. Vous allez nous retrouver là-bas. Abonnez-vous. Les gens sont édifiés par des courtes vidéos et dans les jours à venir, des séances de prière et des lives seront faits également là-bas. Mon frère et ma sœur,
Que Dieu te bénisse. Tu ne t'es pas encore abonné à l'une de ces plateformes? Abonne-toi. Le pasteur répond au plus 1-331-262-4903. Voilà que tous ceux qui ont béni notre ministère par leurs moyens financiers, vous avez constaté que le pasteur n'a pas encore retiré. Nous sommes surchargés, on n'a pas vraiment de temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour vous. Voyez-vous que je vous rappelle toujours, toutes les mamans, je vous vois, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis. Je ne vous ai pas appelé pour la prière, c'est que je n'ai pas retiré. Et vous qui voulez soutenir ce ministère, vous pouvez le faire en ligne sur PayPal. Et notre compte PayPal, c'est @patrickalalaministrie. Vous pouvez bénir ce ministère sur PayPal. Et vous êtes incapable de le faire, comme d'autres ont accusé des difficultés, vous pouvez également faire par transfert. Et le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le plus 1-331-262-4903. Appelez-nous par ce numéro. Vous pouvez bien les lire à travers le générique qui va passer à la fin de cette émission. À la fin de l'émission, vous allez voir le générique où le numéro de l'homme de Dieu est affiché. Vous pouvez nous contacter par ce numéro. Je bénis tous ceux qui nous envoient le message. Ils ont besoin des prières, des sujets d'intercession. J'en ai reçu des frères du Gabon. Frère, je n'ai pas oublié ton sujet de prière par rapport à ton entreprise. Tu as besoin qu'on puisse prier pour toi. On priera. J'ai des sœurs qui nous ont envoyé des messages depuis l'Afrique et d'autres également depuis la Hollande, l'autre depuis la Suisse, la Belgique. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous également depuis les États-Unis. Merci, papa, maman. Envoyez-nous des messages sur WhatsApp par le même numéro, plus 1-331-262-4903. On ne manquera pas de les suivre et on priera pour vous. Portez-vous bien, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il bénisse votre journée. On se retrouve avec vous aujourd'hui dans notre deuxième jour de prière. C'est aujourd'hui à 15h30 comme hier. On va continuer avec les conflits familiaux, un temps d'enseignement, mais aussi de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Inspiré pour vous en vue de votre épanouissement. Révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001-331-262-4903. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001-331-262-4903. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe na Nguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biyano malamu na bomo ina yo pona ko tatola elongi longo na kolo Yesu musali na Nzambe Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko o ezali émission ya Maloba na Nzambe ya matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto oto bengi ba prière agressive pona ko récupérer oya yo les pamboli pona ko récupérer oya yo bomoi pona ko récupérer oya yo esengo pe kimia bongo pona ko contacter biso boy ko benga biso 001-331-262-4903 et pesa melibino na moko na basan na nzambe pasteur Patrick Kalala bolanda biso na bokebi nyonso mikolo nyonso nzambe apambola bino.